Dieu qui règne, Dieu qui assis sur son trône, et la Bible dit, il regarde le monde. Et son yeux, il voit tout choses. The Bible says, our God has seated in his throne, and his eyes running through our flow, seeing everything that going on the earth. We give him all glory, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, King of glory. Thank you, my Father. Oh Lord, come down and manifest your power. Oh Lord, come down, Jesus, and manifest your power. Giovanni, see this, manifest your peace, say, this, manifest your. Oh Lord, my God, come down, Jesus, manifest your. Oh Lord, come down, manifest your. Giovanni, see, come down, manifest your power, Seigneur, descend, manifest your. Mighty Jesus, come down, manifest your power, Lord, descend, manifest your. Jodeli, descend, solo, manifest your peace, Seigneur. Manifest Jesus, manifest Lion Judah, this papa, manifest a peace, Seigneur. This manifest mighty Jesus, oh Lord, manifest your power, oh Lord, come down, manifest God of battle, come down, Jesus, manifest your power, oh Lord, come down, manifest. God of deliverance, come down, Jesus, and manifest your power, oh God, stand down and manifest. God of victory, come down, Jesus, and manifest your power, oh God, stand down and manifest. God of victory, come down, Jesus, and manifest your power, oh God. Come down, manifest. God of Israel, come down, Jesus, manifest your power, oh Lord. Come down, manifest. Oh Jesus, come down, manifest your power, oh Lord. Come down, Jesus, manifest. Mighty Father, come down, manifest your power, oh Lord. Conda, manifest your power. Oh Yeshua, conda, manifest your power. Oh Lord, conda, manifest your power. Amasiya, conda, Jesus, manifest your power. Oh Lord, conda, manifest your power. Ni par la foi, ni par la puissance. Par l'Esprit du Seigneur, ni par la foi, ni par la puissance, par l'Esprit du Seigneur. Ces problèmes, je mourirai. Ces situations, tu vas mourir. Seigneur, tu vas mourir par l'Esprit du Seigneur, ni par la foi, ni par la puissance, ni Seigneur, ni par la foi, ni par la puissance, ni Seigneur. Personne, tu vas mourir aujourd'hui.
Alléluia. Alléluia. Dis, dis, Seigneur. Ni par la force, ni par la puissance. N'est pas là, non, pas power, non, pas si, dis Seigneur. Aujourd'hui, alléluia, alléluia, par l'Esprit, dis Seigneur. Par l'Esprit du Seigneur. Par l'Esprit du Seigneur. Commence par le Seigneur, par le Seigneur. Visite-moi cet après-midi. Lord Jesus, visite me this afternoon, papa. Visite-moi cet après-midi. Visite-moi cet après-midi. Par ta miséricorde, par ta miséricorde. By your mercy, Lord Jesus. By your mercy, Lord Jesus. By your mercy, papa, visite me. Lord Jesus, visit me this afternoon, papa, visit me. Papa, visite moi cet après-midi, visite moi Seigneur Jésus-Christ. Par ta miséricorde, par ta miséricorde, par ta miséricorde. Ta parole l'a dit, cette montagne, il va disparaître. Cette situation, il va disparaître. Aujourd'hui, il dit aujourd'hui, il dit aujourd'hui. Cette situation que tu as de passer, que tu as de passer. La parole de Dieu, il dit, cette montagne, cette problème, divin-toi, Sylvester. Divin-toi, Sylvester. Divin-toi, mes enfants. Il dit, ça va pleiner, par ma parole, par ma parole. Il dit, c'est par son esprit. Ça, c'est pas un esprit, c'est pas un esprit. Il s'agit by his spirit, every mountain, every problem, every situation, the enemy has placed before you. He said, it shall disappear, they shall be removed, they shall be uprooted. That is the word of God to you this afternoon. Whatever situation you are going through, every delay, every delay, every delay, every retrogradation, every backwardness they have set upon your life. The Bible says, I should let you know, he said, to us this afternoon, he said that situation shall disappear. He shall disappear this afternoon. He said, hey, the Lord Almighty God, the King of Kings, God of Israel, while we visit that situation, it shall disappear. It shall disappear. It shall disappear. It shall disappear. Tell the Lord, Papa, look at me this afternoon. Papa, don't leave me. Papa, don't leave me. Papa, don't leave me. Pas le Seigneur, dis le Seigneur, le Seigneur, ne me laisse pas cet après-midi. Ne me laisse pas cet après-midi. Papa, cette situation, l'esprit de retard, l'esprit de retard, l'esprit de retard, l'esprit de rétrogradation, l'esprit de rétrogradation, l'esprit de rétrogradation. Tout délai, tout délai, tout délai, ils sont placés sous ma vie. Papa, Seigneur Jésus-Christ, tout mauvaise nouvelle, mauvaise nouvelle, mauvaise nouvelle, mauvaise nouvelle, ils sont mis sous ma vie, ils sont mis sous ma vie. Papa, aujourd'hui, cette situation, ce problème, il va disparaître, il va disparaître. C'est ta parole, c'est ta parole. Papa, visite-moi, papa, visite-moi, papa, localise-moi cet après-midi. Papa localise-moi, papa localise-moi, papa localise-moi, papa localise-moi. Aie pitié, 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 aie pitié de moi, aie pitié de moi, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Papa a mercy upon me, 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 papa a mercy upon my household, papa a mercy upon my family, papa a mercy upon your church, have mercy upon my friend too. Have mercy upon my friend too. Have mercy, Lord. Have mercy, Lord. Have mercy, Lord. Have mercy, Lord. Have pitié, Seigneur Jésus-Christ. Have pitié de nous. Have pitié de nous. Have pitié de nous. Have pitié de nous. Have pitié de ton église. Have pitié de ton église. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Jesus, 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 have mercy. Have mercy, Lord. Yeshua, Messiah. Yeshua, Messiah. Yeshua, Messiah. Yeshua, Messiah. Yeshua, Messiah. Yeshua Messiah, Yeshua Messiah, Yeshua Messiah, Yeshua Messiah, Jesus Christ of Nazareth, Jesus Christ of Nazareth, Jesus Christ of Nazareth, Jesus Christ of Nazareth. Have mercy, Lord, 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 have mercy, have mercy, have mercy.
merci, à merci, à merci, papa, à merci. C'est un pitié, c'est un pitié, c'est un pitié. Délivre, délivre, délivre-le, 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 délivre-le. Deliverance de Jésus, 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 deliverance, deliverance. God of mercy, God of mercy, deliver us, our family, our home, our household. Papa, deliver us, bring us out from cage, from standing cage, from the money cage. Bring us out, bring us out. Fais nous sortir, fais nous sortir. Don't to cash, don't to cash. To prison, prison de ténèbres, prison de ténèbres. Tout en doigt, on nous a fermé. Papa, have pitié, Lord, have mercy. Everywhere, they have locked us, they lock us up, they lock us up. Our destiny, our glory, our joy, our star, our star, our star. Be locked up, be locked up, be locked up. Papa, papa, this afternoon, we are here again. We are here again to cry unto you. Deliverance, deliverance, deliverance. It's a great deliverance you will give to your children. You give to your children, you give to your children. Say this phrase, tu as dit, grand deliverance, que tu vas donner à tes enfants. Tu vas donner à tes enfants, qui vas donner à tes enfants, qui t'ont approché, qui sont venus vers toi pour demander ta miséricorde. Seigneur, aie pitié, Seigneur, aie pitié, Seigneur, aie pitié, Seigneur, aie pitié. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit of God. We worship you, Lord Jesus. We thank you, Jehovah El Shaddai. Jehovah, we worship you. Uh-huh, Seigneur Jesus Christ. Merci, Seigneur Jesus Christ. Merci. Retard, il va briser. Delay, n'importe quoi, ils sont programmés sur ta vie. L'âme et difficulté. Le Seigneur, il dit, il va éliminer toutes ces choses. Il dit, cette montagne sont mises sous la vie de ses enfants. La douleur, la souffrance. N'importe où que ça vient. Dans la famille, dans ta génération, n'importe où. La Bible nous a dit, Isaïe 8. Let me read, help me read. Isaiah 8. Isaiah 8. Lis à partir de verset 9. Isaiah 8, à partir de verset 9. Isaiah 8, from verse 9. Poussez des cris de guerre, peuple, et vous serez brisés. Prêtez l'oreille, vous tous qui habitez au loin. Isaïe chapitre 9, à partir de verset 9. Isaïe chapitre 8, à partir de verset 9. Poussez des cris de guerre, peuple, et vous serez brisés. Prêtez l'oreille, vous tous qui habitez au loin. Préparez-vous au combat, et vous serez brisés. Préparez-vous au combat, et vous serez brisés. Alléluia. Alléluia. Thank you, Jesus. Associate yourself, all you people, and you shall be broken in pieces. Là, il vient notre Dieu, Dieu de la guerre. Il va les briser en pièces. He will break them into pieces. And he said, give ear, all you of far countries. Gird yourself, and you shall be broken in pieces. Gird yourself, and you shall be broken in pieces. Verse 10. Verse 10. Take counsel together, and it shall come to naught. Speak. La parole que vous avez rassemblée parle contre moi, contre nous. Il sera sans effet. Alléluia. Every negative word they have spoken concerning us, he said, it shall not stand. Verse 11. For the Lord spoke to us, to me with a strong hand, and he instruct me that I should not walk in the way of these people. Ah! Et il m'a averti de ne marcher dans la voie de ce peuple. De ce people! Il peut être le membre de ta famille et tout. Attends qu'il marche dans la voie de Satan. Le Seigneur dit, il a dit, la main de Dieu m'a touché. Il a dit, regarde ces people, Sylvestre, regarde ces people, ne marche pas avec eux. Regarde tous ces faux pasteurs, faux bishops, faux, ne mélange pas avec eux. C'est pas toi. Alléluia. Regarde ces people, ils sont en sorcellerie.
pour pas marcher avec eux. Mais je dis clair cet après-midi, toute l'aile complot contre ta vie, la parole de Dieu dit, ça ne peut pas jamais dans la vie marcher. Au nom de Jésus-Christ. Amen. L'aile réunion, l'aile association contre toi, le Seigneur dit, jamais. Thank you, Jesus. I speak to you by the word of God. He said, don't associate with them, pastor, bishop, Sylvester. Don't associate with this pastor or bishop or minister because of what? Their ways are evil, are wicked, they are witchcraft. He said, the hand of God touched me and said, look at these people, don't associate with them. The book of Micah speaks about them. What they do in the night. Le livre de Micah, il a parlé de eux, ça qu'ils font dans la nuit. Alléluia. Amen. Mais j'ai prié que tout ça qu'ils ont fait contre toi dans la nuit, physique et spirituel, dans le rêve, Dieu, il va nous anointer tout cela au nom de Jésus-Christ. Amen. He said, they walk in the night, they do a lot of evil. But I pray for you, the Bible says, everything they have done against you in the night, in the day, in your dream, He said, it shall not stand, neither shall it come to pass in Jesus' mighty name. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit of God. Thank you, King of Glory. On va prier. Il dit, rassemblez-vous. Ça ne peut pas arriver. Ça que vous préparez ne peut pas. Jamais. He said, gather you. All your gathering cannot walk. Alléluia. Come together. He said, it shall not stand. Any power. Tout pouvoir. Any power. Looking for how to hurt me. Qui cherche à me faire mal? Pouvoir. Qui cherche à me faire mal? Pouvoir. Qui cherche à me faire pleurer? Qui passe tout, qui utilise toute stratégie? Pour me faire mal, pour me faire pleurer. Tu as échoué. Tombe, mais. Fall down and die. Tombe, mais. Péris, au nom de Jésus. Perish. Let the power perish. Perry, dans le rêve physique et spirituel. In your dream, physically and spiritually. Any power looking for how, looking, all strategies to use to hurt us. They are passing through all angles. They are looking for it in their meeting, in their union, in that association. Let thunder of God crush them and then perish. Oh no, Pisan Jesus, perry. It's on the association. Dans les associations, dans les organisations, ils sont en train de travailler jour et nuit. Ils sont en train de chercher comment ils vont t'éliminer, comment ils vont t'étouiller, comment ils vont t'utiliser comme un sacrifice, comment ils vont programmer la maladie, la souffrance, comment ils vont tuer le bébé dans le ventre, comment ils vont manger le bébé dans le ventre, comment ils vont utiliser le bébé comme un sacrifice. Anywhere they are, looking for how to use the baby in the womb as a sacrifice, to kill the baby, to change his cell, to change who that baby is. To change his star, to capture his star. Any power, whatever the power is, that say you will not have a child. You will not have a child in your marriage, in your home. Let the Lord look at them. Perish them by thunder by fire. Perish. Oh no, Jesus. Perish. Oh no, Jesus. Ils sont en train de chercher comment tuer tes enfants, comment détruire tes enfants, comment les tuer, pour voir qu'elle est programmée. La maladie, sous ta vie de ses enfants, n'importe où qu'ils sont, Seigneur Jésus-Christ, que tout ce pouvoir périt au nom de Jésus-Christ. Cet après-midi, que le soleil de Dieu laisse sécher au nom de Jésus-Christ. Let the sun, as the sun, come out right now, dry them, que le soleil de Dieu laisse sécher au nom de Jésus-Christ. Sèche-les. Sèche-les au nom de Jésus-Christ. Thank you, Jesus Christ of Nazareth. Thank you, Jehovah El Shaddai. Thank you, Jesus Christ of Nazareth. Thank you, Holy Spirit of God. Thank you, Jehovah,
omnipotent, omnipresent God. The Lord that never fail. The Lord that never change. Jesus. John 18 says, on va lire là-bas encore. Parce que la plupart des gens qui ne connaissent pas la prière de tombe et main. Alléluia. J'excuse, quelque chose est arrivé là-bas. J'ai dit ça le vendredi. Je vais nous expliquer, à parler encore de ça. Because many people doesn't know the meaning of fall down and die. They use it to laugh us sometimes when we are praying it. See, it happened there. When they heard that, when Jesus Christ speak, and the Bible say, he fall back. It was a fall and die. Hallelujah. My enemy must fall and die in the name of Jesus Christ. Hallelujah. Edmond Ali, si vous êtes là-bas. John 18:6. After you read for me in English. John 18:6. Lorsque Jésus leur eut dit, c'est moi. Yes. Ils reculèrent et tombèrent. Alléluia. Thank you, Jesus. Your enemy, when they will hear your name, they will fall down and die in the name of Jesus Christ. From today, Lord, we put a heavy fear in your name. In their covenant, anywhere they mention your name, they shall fall and die in the name of Jesus Christ. Le Seigneur, il va faire ton nom, ton nom, il va revenir flamme de feu. Tout en toi qu'il va mentionner ton nom, il va tomber et mourir au nom de Jésus Christ. Quand il va attendre ton nom, tremblement, le feu et les flammes de Dieu, il va les renverser au nom de Jésus Christ. Il va les renverser au nom de Jésus Christ. Il va les renverser au nom de Jésus Christ. Anywhere they will hear your name, même le nom de tes enfants, quand il va essayer d'appeler cet homme là-bas, tout le monde là-bas va commencer à trembler. Tout ce qui est dans là-bas, même les chefs, les Lucifer, il va tomber. Tout va disparaître au nom de Jésus Christ. Amen. Yes. There is names that you cannot mention anywhere. The carry fire. The carry fire of God. Oui, il y a des noms que tu ne peux pas mentionner n'importe où. Qui a le feu de Dieu, le flamme de Dieu. Quand tu mentionnes ça là-bas, le tremblement immédiat. Tout ce qui est là-bas, il va commencer à les renverser. Parce que c'est le nom qui dit pas. Cet nom est déjà moins par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je déclare que c'est ça qui va arriver aujourd'hui. Oh Lord, my Father! Oh Lord, my Father! Oh Dieu, mon Père! Baptise-moi par le baptême de feu. Que mon nom revienne flamme de feu. Let my name become flame of fire. Let it carry fire, my name carry fire, 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 flame of fire, flame of fire, que mon nom reçoit cette flamme de feu, flamme de feu, que tout en toi, 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 tout en toi de ténèbres, tout mauvais endroit, tout mauvais endroit, tout mauvais endroit, il va mentionner mon nom, il va mentionner ma famille, il va mentionner mes enfants, il va mentionner tout ça qui me concerne, Seigneur, que Dieu les localise, ton de Dieu, tonnerre de Dieu, tonnerre de Dieu, périlé, 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 the name of our children, the name of my household, carry fire, anywhere we mention our name, when the enemy shall hear our name, when they shall hear our name, can he fight attack notre nom, can he fight attack notre nom, can he fight attack notre nom, il va tomber, il va mourir, il va tomber, il va mourir, à partir d'aujourd'hui, Papa Lord Jesus, when they will hear our name, when they will hear our name, they will fall down and die, they will fall 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 and die, in the name of justice, they will fall and die, they will fall and die, in the name of justice, they will fall and die, in the name of justice, they will fall and die, they will fall and die, wherever they will meet us, Lord Jesus, they will fall and die, in the name of justice, they will fall and die, can you attack no to can you attack no no, don't let covon, don't let covon, don't let covon, sous la terre, dans le ciel, dans la mer, dans la mer, dans les arbres, tout à droite, il fait les réunions dans n'importe qui. Quand il va attendre notre nom, dans les mauvaises activités, quand il va faire le complot, le complot, le complot, les réunions, papa, contre moi, contre mes enfants, contre mon grossesse, contre mon grossesse, contre mon mariage, contre ma finance, contre ma joie, papa, que ton tonnerre de Dieu les localise, que tout tombe et mourir au nom de Jésus. Let them fall down and die in the name of justice. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit of God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit of God. Thank you, King of Glory. Oh, no. Puissant de Jésus, va prier. Amen.
Rage of the enemy. Toute rage de l'ennemi. Toute rage de l'ennemi. À cause de ma prière. À cause de ma prière. À cause de ma délivrance. À cause de ma délivrance. Toute rage de ténèbres. Toute rage de ténèbres. Toute rage de ténèbres. À cause de ma délivrance. À cause de ma délivrance. À cause de ma prière. À cause de ma prière. À cause de mon appel. À cause de mon appel. À cause de ma destinée. À cause de ma destinée. À cause de mon étoile. À cause de mon étoile. À cause de mes enfants. À cause de mes enfants. Qu'est-ce que tu attends? Avaler. 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 Let all the rage of the enemies, all their rage, all their battle, all their anger, all their anger against me, against my family, against my marriage, against my star, against my destiny, against the plan of God for my life. Papa, let you swallow them up. Swallow them up. This afternoon, swallow them. 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 Avaler. 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 Au nom de Jésus. Avaler. 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 Au nom de Jésus. Let all their rage against me. Swallow them up, all their battles against me, all their struggle against me, all the evil, the plot, the plan against me, backfire, swallow them up, in the dream, in the physical, in the dream, in the physical, down the ref, physique, spiritual, n'importe où, ils ont fait, les rages, comme ma prière, comme mon bébé, mon enfant, tous les rages, avaler, Jesus, by the power of the Holy Ghost, by the power of the Holy Spirit of God, my Father, my Lord, thank you, Jesus, thank you, Holy Spirit of God, thank you, King of Glory, let it swallow up, thank Jesus, swallow it up, in the name of justice. Jehovah Yahweh, Jesus. La Bible dit, bien aimé, il dit dans le verset 10 là, il dit tous les paroles, tous les prononciations, tout ça qui sont dit sur ta vie, sur le bébé, sur ta grossesse, il dit, il va les rendre sincères. Alléluia. The Bible says in verse 10 here, he said, take counsel together, and it shall come to naught. Speak the word, every word they have spoken against you. Il dit, parle. Toute cette parole sont déjà prononcées sur ta vie. En cachette, dans les ténèbres, dans les sorcelleries, dans les covons, dans la maison de ton père, dans la maison de ta mère. Toutes paroles négatives sont déjà déclarées sur ta vie. Il dit, il va rendre tout. Ça, dit, ça ne peut pas réaliser. He said, every negative word they have spoken against you, every decision they have taken against you, il dit, toutes les décisions sur ta vie, cette fondation maléfique, cette fondation satanique, cette hôtel démoniaque, toutes choses qui sont déjà dites claires sur ta vie, ils ont dit, ça que tes parents sont passés, c'est ça que tu vas passer. Hey, Jehovah El Shaddai. Ils ont dit, comme ils ont programmé retard dans la famille, retard dans le mariage, retard dans la grossesse, retard dans la bénédiction, retard dans le progrès, retard dans toutes choses, que c'est comme ça que cette famille, que sa génération, il va être. Le Seigneur, il a dit, le bonne nouvelle que tu t'as dit dans ta vie aujourd'hui, mon papa, mon roi, je sois Amasia qui dit, ça ne réalise pas. Thank you, Jesus. Il dit, c'est ça, c'est fait. Tout ça qu'ils sont en train de parler, le Seigneur dit, parce que toi et moi, on a réalisé celui que nous sommes. On a réalisé que nous sommes Israélites. On a réalisé que nous sommes son vrais enfants. La raison qu'il est venu dans ce monde, aller recevoir tout les menaces, toutes les choses qui sont faites contre lui, sous la croix. Il dit, parce que tu as réalisé ça, parce que tu es revenu vers lui, il dit tout ça qui sont déclarés sur ta vie. Il dit tout c'est ça, c'est fait. Il cannot come to pass. Every word that is spoken concerning you, he said,
said, because of you and I, we have come to know who we are. We have come to know that it's because of us he came. He came to this world, and he was menacing. They did a lot of rubbish against him, and they crucified him. And we have realized now that we are that Israelite. 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 That Jesus Christ came. He said he came to seek for those that lost in my father's house. The Israelite that lost, I came to look for them. He said, since you have realized it, he said, every negative word, every counsel they are taking against you, every counsel they take against your children, every counsel they take against your marriage, every counsel they take against your life, every counsel, everything they have spoken, they say you don't have child, they say you not born, they say you will die, they say you will die in this pregnancy, they say you will die. I have studied today. The Lord said, it shall not stand, neither shall it come to pass. It shall not stand, it shall not stand. Lo say, lady, it's only a declare, que dos is a process, que tu vas mourir dans la grossesse, que l'on va t'amener ta vie dans ta grossesse, que c'est un bébé, il va les détruire, il va détruire un bébé. Je te annonce aujourd'hui, je te déclare aujourd'hui, par la parole de Dieu, la parole de Dieu, il dit, ça qu'ils sont déclarés, il dit tout, ça ne réalise pas, ça ne réalise pas, c'est sans effet, c'est sans effet, au nom de Jésus Christ, appelle Dieu! Call upon Jesus Christ of Nazareth. You will not bury your children. You will not, none of them will die. I bury you. Tu n'as tel pas tes enfants. Tu ne peux pas enterrer tes enfants. Tu ne peux pas enterrer tes enfants. Tu ne peux pas enterrer les bonnes choses dans ta vie. Tu ne peux pas enterrer ta ministère, ton appel. You will not bury your ministry. You will not bury your ministry. You will not destroy your ministry. You will not kill anything good Lord has given unto you. You will not bury it. You will not bury your glory. I am speaking to you today by the word of the Lord. He said, it shall not stand. It shall not stand. That which they have spoken against you. That spirit of war. That spirit of delay. Delay in everything. Postponement. Hardship. Backwardness. It shall not stand. It shall not stand. I destroy it. I destroy it by fire of Holy Ghost, by the word of God, by the word of God. I destroy it. They decree, the speed they retard, the speed they retard, the speed they retragodasson, retragodasson, retragodasson. It's all programmed on Tavi. It's all programmed on Tavi. Don't do shows, retard, retard, don't le mariage, retard, retard. It's already prolonged, prolonger, prolonger ton mariage, prolonger ton mariage, prolonger ta vie, prolonger tout chose. Vous commencez à pousser dans le péché. Le Seigneur il dit, jamais dans la vie, jamais dans la vie. Erreur que tu as fait dans ta vie, ne répète pas, il ne répète pas, il ne répète pas. L'erreur que tes parents ils ont fait, ne répète pas dans ta vie. Je refuse, je refuse, je refuse par la voix de Dieu, je refuse au nom de Jésus Christ. I refuse every error, every wrong thing that has happened to your life, in the life of your father, in your mother, in your parents, that they want to carry again, to let you repeat in your life. I destroy it. Jesus. My God, my Father. Yes, Lord Jesus. Yes, Lord Jesus. Yes, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Who can battle with you, my Father, my God? Jehovah Rapha. Jehovah Nissi. You are King that never fails. Wonderful is your name, Lord Jesus. Jehovah Yapha. Let the hand of God come upon you. Que la main de Dieu descende sur ta vie. Que la main de Dieu descende sur ta vie. Que ta main de la main de Dieu descende sur ta vie. Descende sur le bébé dans le ventre. La main de Dieu. La main de Dieu. La main de Dieu. La main de Dieu. Descende sur tes enfants. Descende sur ta génération. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Thank you, Jesus. That's of Nazareth. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Every mark of rejection. Toute mark de rejection. Toute mark de rejection. Toute mark de rejection. Sous ma vie. Sur ma vie. Mark de haine. Mark de haine. Every mark of hatred. Mark de haine. Upon me. Upon me. Sous ma vie. Sous ma vie. Sous mon nom. Sous mon nom. Sous mon papier. Sous mes papiers. Sang de Jésus Christ. Sang de Jésus Christ. Sang de Jésus Christ. Sang de Jésus Christ. Efface tout. Efface, efface, efface. Marque de la haine, marque de la haine, marque de rejet, marque de la mort, 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 marque de la mort. Every mark of, every mark of death, mark of rejection, mark of hatred, mark of failure, mark of failure, mark de l'échec, marque de chômage, marque de chômage, marque de telle mère, telle fille. Tell père, tell fils. Mark of like father like son. Mark of like daughter like mother like daughter. Mark,
Mark of delay, mark of blockness. Wipe it off by the blood, just cancel. Yes, Lord Jesus. Blood of Jesus, a fast mark the malady, maladie, dans la famille, maladie hérité, c'est pas pour toi, every mark of inherited sickness, wipe it off, les enfants, priez-vous, Je ne m'aime pas. Tu vas vivre. Et ça vous dit dans le sud de la vérité. Tu ne m'aimes pas. Tu vas accomplir ta mission sur la terre. Tu vas servir Dieu dans l'esprit de la vérité. Je vais servir mon Dieu dans l'esprit de la vérité. Mes enfants, dans le ventre. Mon bébé, tu vas servir Dieu, tu vas connaître Dieu. Toute marque de Satan, marque de Lucifer, ils sont mis dans ma vie depuis la naissance. Toute marque de ténèbres, toute marque de sorcellerie, ils sont mis dans ma vie depuis la naissance. Seigneur Jésus, que ton sang efface, marque de maladie, infirmité, every mark of sickness in my life, I inherited from my family. For my household, Papa, I wipe it off. Blood of justice, wipe it off. You will not die. Tu ne meurs pas. Tu vas finir ta mission. Importe qui n'est pas détruit. Tout pouvoir qui va essayer de tuer, il va mourir, il va enterrer par le feu au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur va l'enterrer. You will never die. No man will kill you. No human being, no power will kill you. Any power that gathers to try it, God will bury them by fire. He will bury them by fire. Thank you, Jesus. Every frustration. Les ennemis sont programmés sur ma vie. Pour me faire de parler contre mon Dieu. Every frustration. L'ennemi a programmé toute ma vie. To make me to speak against my God. Pour me faire parler contre mon Dieu. Every affliction. Toute affliction. L'ennemi a trié contre moi. Pour me faire de parler contre mon Dieu. Cet après-midi. Je commence cette affliction. Je commence cette frustration. Retour à l'envoyer. Retour. Bafaya. Let that affliction. Let that frustration. The program against us. Bafaya. Go back to your sender. Bafaya. The name of justice. Bafaya. Bafaya. The name of justice. Bafaya. 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 Let it bafaya. Go back. Retour à l'envoyer. Retour. Affliction. Frustration. Attrition. Frustration. Affliction. Frustration. Retour. Frustration. Affliction. Bafaya. Bafaya dans le mot justice. Bafaya. Jesus Christ of Nazareth. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit of God. Thank you, Jehovah El Shaddai. In Jesus' name today, we pray. Every negative thing, two shots negative, cause into my life, fair down my vie. À travers de cette pandémie et vaccin. À travers cette pandémie et ce vaccin.
through this pandemic and vaccine. À travers cette pandémie et ce vaccin. Be pushed out from my life. Soit bougé. Soit bougé dans ma vie. Soit bougé. Tout chose négative. Every negative thing. Caused into my life, into my body, into my system, by this pandemic and vaccine. À travers de cette pandemic et vaccine. Dans ma vie, dans mon corps, toute chose négative soit bougée par le sang de Jésus-Christ. Bouge, out. Get out from my body, my system. Sors de mon corps, dans ma système. Sors. Put it out from my life, from my children, from my home, de la vie de mes enfants, ma famille, mon mariage, que tout soit bougé par le sang de Jésus Christ. Let me just put it out from the life of my children, my family, my home, my household. Every negative thing, this pandemic and the vaccine have introduced to my system, have introduced to my body, have introduced to my life. Push out by fire. Blood of Jesus. Put it out. Put it out. Tout chose négative. Que c'est pandémique, et c'est facile à introduire dans mon corps, qui a introduit dans mon corps, qui sont dans mon corps, sang de Jésus Christ, bouge tout, sort, élimine par le sang de Jésus Christ. Thank you, Jesus Christ of Nazareth. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur Jésus Christ. Au nom puissant de Jésus, à vos prières. Au nom puissant de Jésus, à vos prières. Micah 2. It will never go back to retrogradation again. Micah 2. Thank you, Jesus. À partir verse 1 et 2. Michée 2. Thank you, Jesus. À partir du verset 1 et 2, je le lis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Malheur à ceux qui méditent l'iniquité et qui forgent le mal sur leur couche. Ok, ils sont rentrés, tu as vu. Il va te dire bonne nuit. Mais ça qu'ils sont, ils sont. Tu pensais que c'était tes frères et ses familles et tout. On te dit bonne nuit, à demain. C'est ça qu'ils sont en train de faire dans leur lit. C'est très, très dangereux. You see, they will tell you good night. We'll see tomorrow. They enter into their bed. What they are doing there is miserable. Continue. Au point du jour, ils l'exécutent. Quand ils ont le pouvoir en main. Ok. Verset 2. Ils convoitent des champs. Ok. Et ils s'en emparent. Des maisons. Et ils leur enlèvent. Ils portent leur violence sur l'homme. Ok. Et sur sa maison. Sur l'homme. Ils portent leur violence sur l'homme. Et sur sa maison. Quelle situation que tu as dépassé? Cette situation, c'est violence des gens méchants, la sorcellerie. La sorcellerie, les occultes, ennemis de Dieu, ennemis des enfants de Dieu. This is the wickedness of the enemy of the people of God. The wickedness of the witches and wizards. The powers of our father's house and mother's house. The wicked they do to the people. You go to bed, they did not sleep. What they are planning and plotting is evil. He said, when did they break? This evil begin to manifest. They took away what belongs to you and I. Il retirait tout ce qui nous appartient. Et tu es là-bas, tu dis que tu sers Dieu. Je suis chrétienne. Dieu nous a appelés pour. Il dit, faites-vous le bon combat de la foi. Le bon combat. Il nous a appelés pour être un militaire. Alléluia. Si tu ne combats pas, qu'est-ce que cela dit? Ces gens de choses ne sont pas sans jeûne et prière. Ça signifie que dans notre vie, les chrétiennes, jeûne et prière, c'est nécessaire. Si tu voulais être fort. Alléluia.
Jesus says, this kind, this type of things, this kind of deliverance cannot come up without fasting and prayer. And you are going to a church where the pastor is discouraging you in fasting and prayer. You are dead. You are just a dead living. Et les gens en parlent dans l'église que les pasteurs en train de les décourager, découragent dans la fête des jeûnes et prières. Alors que notre Seigneur, les vrais, c'est pour cela qu'ils sont en train de servir un autre Jésus. Ce n'est pas le vrai Jésus-Christ qu'ils sont en train de servir. That's why the Jesus that these people are serving, that teaching you all this nonsense, it is not the true Jesus. There is two Jesus, even more than two. Hallelujah. He said it in John 5:48. Garde là-bas. Quelqu'un aide-moi à lire. Quelqu'un aide-moi à lire. John. John 5. Ok, 43. John 5, 43. Qu'est-ce qu'il a dit? What did he say there? Il dit, j'ai venu à mon nom. J'ai venu au nom de mon papa. C'est lui qui m'a envoyé. Il dit, vous ne m'avez pas accepté. Mais un autre qui va venir à son nom, c'est lui que vous va accepter. Mais dans le Jean Matthieu 24 aussi, il a confirmé ça. Il dit, un autre Jésus, un autre Christ va venir. C'est lui que vous allez accepter. Il va venir avec tout le faux doctrine. Vous allez le suivre. Qui va vous dire que Jésus-Christ a déjà fait tout pour vous. Hein? Où est le verset que je t'ai dit de lire? Lis-moi ça. Où est le verset? Je vais le lire pour moi. John 5, verset 48. Yes. You have not received me. Whosoever that will come with his own authority, his own name, you will receive him. You will receive him. That's it. It's another Jesus they are all serving. It's not the serve hello to Jesus. C'est Jésus qui ne vous permet pas pour jeûner et prier. C'est Jésus qui ne vous permet pas pour combat spirituel. C'est Jésus qui ne vous permet pas pour la délivrance. Ce n'est pas Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas Yeshua Amasia. Alléluia. That Jesus that did not permit you to go into warfare, to go for deliverance, to continue in deliverance and prayer and praying and fasting. That Jesus that your pastor is introducing to you is another Jesus. It's not that Jesus that come from Yahuwah. Hallelujah. Amen. C'est pas ça Jésus Christ qui vient de Yahuwah. C'est notre Jésus. Qu'est-ce qu'il a dit? Jean 5, 43. Je suis venu au nom de mon Père. Oui. Et vous ne me recevez pas. Ouais. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevez. C'est ça. C'est pour ça que c'est le Jésus qui est en train de servir. Tu vas voir son image partout. Différent. Avec quelqu'un qui a dit, c'est Marie. Diana de Zo. L'esprit de Zo, sirène. Qu'est-ce qu'on dit que c'est Marie? Avec faux bébé dans la main. Dimon dans sa main. Nimrod avec sa maman. Alléluia. You will see that Jesus they are worshiping. Is that Jesus that his image is everywhere? The photo is everywhere. You will see the photo is different. Tu vas même voir son image, c'est different. Ça ne correspond pas. C'est déjà la confusion du monde. Alléluia. You will see the image again. The woman they carry, they say it's Mary. Carry baby in the hand, Nimrod and his mother. That's what they are worshiping, bowing for. Another Jesus. That withdraw everything that give you power to connect to his throne. Cette Jésus, il a retiré tout ce qui vous donne la puissance pour connecter à son throne. C'est pour ça que regardez les partout. Vous cherchez Dieu simple. Satan aussi, il vous a donné Jésus qui est simple. Notre Jésus-Christ n'est pas simple. C'est Dieu de la guerre. Yeshua Amasia, il n'est pas simple. C'est Dieu de la guerre. C'est pour ça que quand Jean, il est vu dans le livre de l'Apocalypse,
Il dit son chevet, il est blanc comme, comme la laine. Et son yeux, il est rouge. Rouge. Quand tu vois les yeux de quelqu'un rouge, c'est quelqu'un qui est près de le combat, près des déchets. Il est toujours rouge. C'est pour ça que ça, son héritage dans ce monde, c'est la destruction de ce monde. Son yeux est rouge. Alléluia. Il n'est pas Dieu simple. Alléluia. That's why the God, this Yeshua HaMashiach that we are serving, is a God that the Bible says, and John saw him. John saw him in Revelation chapter 1. From verse 10, he said, he said his ear is white like a wool. And the one thing there, he saw his eyes red. His eyes is red. Red means for battle, for war. He is God of war. He's God of war. He's God of vengeance. He's God that you touch his children. He said, when you touch my children, you touch the apple of my eyes. And I come like a roaring lion. And I consume them. He said, I am that God that war with the chariot of fire in the heaven. In the sky, I walk like a chariot of fire. In the name of Jesus Christ. Il dit, Jésus a dit, Dieu ne me prend pas comme n'importe quoi. C'est pour ça que parmi des animaux, il a dit, il a utilisé des animaux qui sont très très dangereux dans la guerre. Lion et eagle. Les animaux qui sont très très forts dans la bataille. Dans le combat, il a utilisé le cheval. Cheval pour aller dans le combat. Il est très fort. Très très puissant pour courir. Alléluia. Pour courir très très fort. Quel Jésus que vous avez de savoir. Il dit, je ne suis pas venu pour n'importe qui. Je suis venu pour le militaire, mes enfants, l'Église de Dieu. Alléluia. Il said, I did not come for any hard person. I come for the warriors, the eagle, the lions, my children. And the God that never changed. Il dit, je suis Dieu. Ici, je marche dans le ciel avec le chariot de feu. Chariot de feu. Chariot de feu, je marche. Mes enfants, ne vous inquiétez pas. Je suis là pour combattre contre tout ça qui combat contre vous. Quel Dieu que tu sois. La sorcellerie a été menacée. Ils ont mis un retard dans ta vie. Ils ont mis une rétrogradation dans ta vie. Le mariage, où est le mariage? Tu es dans l'église. La vie de débauche n'est pas encore quittée dans ta vie. Tous les hommes dans l'église étaient déjà couchés. Ils sont déjà couchés avec toi. Avec tout à ceci. Avec tout à ceci. Janvier jusqu'à décembre. Tu peux compter combien des hommes qui ont couché avec toi. Mais où est le mariage? Tu n'es pas belle pour le mariage. Je ne sais pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Tu es dans l'église. Ton pasteur, il couche avec toi. Et tu dis que tu saves Dieu. Quel Dieu? Ça, ce n'est pas Jésus-Christ de Nazareth que tu saves. Alléluia. You are in the church. From January to December, all your beauty contests, all the sexy, everything you put on, all you do there is prostitution. From one man to another man, no one is marrying you. Beauty for nothing. Don't know that witchcraft, Micah said in the night. They have program delay. They have program backwardness. They have program failure. They have program shame and disgrace into your life. The same thing that happened to your parents is repeating in your life. You don't run for your life and look for the true Jesus for your deliverance. Tu es dans l'église. Tout ça qui est arrivé à tes parents, antes d'arriver dans ta vie, tu ne peux pas sortir dans cette église et cours aller chercher où que tu vas trouver le vrai Dieu de la délivrance. Tu demandes, on va te dire que c'est la vie, ça ne fait rien, c'est la vie. Quelle vie? Quelle vie? Toutes choses dans ta génération, c'est à gauche, il n'y a rien qui est droite. Tout c'est à gauche. Et vous dites que vous êtes chrétien. Quel genre de chrétien? Vous êtes de savoir un autre Jésus. Mon Jésus-Christ, ce n'est pas comme ça. Alléluia. Tout ce qu'il cherche dans l'esprit de la vérité,
il les délivre. Alléluia. Amen. My own Jesus Christ, say you're serving Jesus. We can't Jesus is your servant. You say you're serving Jesus. The lie, your father lie to cheat everybody is the same thing that you are doing. The same life, like a father, like a son. Liars. Which Christ are you serving? Tu dis que tu serves Dieu. La même mensonge que tes parents sont utilisés pour tricher tout le monde, accumuler toute la richesse, c'est la même chose que tu as fait de pratiquer. Et tu dis que tu serves Dieu. Quel Dieu que tu serves? Chrétien avec la bouche. Chrétien avec la bouche. Combien les enfants que tu as dans ce monde? Tu as déjà 10 enfants. Mais si on te demande toujours, tu es célibataire. La malédiction. La malédiction de tes parents. Ils t'ont été déçus. Alléluia. On te parle de la pauvreté, tu fâches. Fâche chercher la délivrance et chercher les vraies églises. Que donne l'aide de nous, Jésus-Christ. You are in the church. You say you are going to church. You have now 10 children. 10 children. They ask you, have you married? No. But why all these children? It's God. God is the one that gives. He said we should go to the world and multiply. So I'm busy multiplying. Wicked people. You are multiplying the same generation that you are. Earlier. Go and look for the deliverance. C'est ça. Il a des enfants. Pourquoi? Ah, mais tu m'as dit. Mais pourquoi tu n'es pas encore marié? Je n'ai pas encore trouvé le nom de ma vie ou femme de ma vie. Mais pourquoi tous ces enfants? Mais tu sais, le Seigneur nous a dit d'aller multiplier. Tu as été multiplié. Tu as rempli cet monde avec les gens comme toi. Et tu sais, tu penses que Dieu il est content. Toute ta vie. Les gens comme toi, les gens aussi qui vont continuer de multiplier aussi, à envoyer les enfants sataniques qui vont continuer de rappeler dans ce monde. Tu as oublié que le Seigneur il a dit, tout ce qui a détruit ce monde, il dit, j'arrive, je veux les tous détruire, j'arrive. Le monde que Dieu bien crié là, tout ce qui a détruit ce monde, j'arrive. Il va voir ça que je vais les faire. La multiplication que le Seigneur t'a dit d'aller faire. Tu pensais que c'est pour aller coucher l'enfant et n'importe comment. Il a dit d'abord, viens, on va créer un homme à notre image. Donc quand il a créé un homme à son image, Dieu il veut que l'homme, tous les enfants aussi, que l'homme va coucher sous cette monde doit aussi être image de Dieu. Image de Dieu, c'est quoi? La sainteté. Les gens qui ne connaissent rien, va dans l'église, qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Vous entendez de renseigner les théologies et philosophies. Beaucoup d'autres ne know anything, they go to church, they go to church where they teach them philosophy and theology. When the Lord said, come, let us make man. Make man on our own image. Image of God is what? Holiness. Then he said, go and multiply and feed this earth. What did God expect man to use to feed this earth? It is children like him. Holiness children to feed this earth. Holiness children. Not all your satanic seed of Satan children. They used to feel everywhere. Wickedness everywhere. Idol worshippers. They used to feel everywhere. If you don't repent and come out of it, judgment of God is coming. He said, remember he said in the book of Revelation, he said he's coming to destroy everyone that destroyed this earth. It's coming to destroy them. He created this world. You people are destroying it. Don't worry. You join hand with Lucifer and you are destroying it. Thank you, Jesus. On va prier. N'importe quel pouvoir qui te poursuit, qui fait le complot. La Bible dit, ils ont fait le complot contre Paul. Pour tuer Paul, ils ont dit quoi? Regarde, le ténèbre dans le acte 23. Le ténèbre, il a dit, nous, on ne mange pas, on ne boit pas, on a déjà fait un complot. On a déjà rentré dans le jeûne et prière jusqu'à on va attraper Paul et tuer Paul. Il n'y a pas la nature. Et toi qui dis que tu serves Dieu, le ténèbre, il fait le jeûne pour te détruire et tu n'arrives pas à faire le jeûne. Comment Dieu va te délivrer? Alléluia. You see it? The wicked in Acts chapter 23. Acts 23, wicked people gathered together. They said, we have agreed
we enter into fasting and prayer until we keep Paul. Nobody will break this fasting. They said nobody will break this fasting. It's on the 7 June, on a coup par 7 June. Jusqu'à on va tuer Paul. Qu'est-ce que Paul il a fait? À cause de la vérité et la sainteté. Tu vas prier. Hey, tu vas appeler Dieu. Tout pour voir qu'il soit en jaune. Pour voir qu'il soit en jaune. Tout jaune satanique. Tout jaune satanique. Tout jaune satanique. Ils sont en train de faire. Qu'ils sont en train de faire. Contre ta vie. Contre ta destinée. Contre ma destinée. Contre ton engrossesse. Contre ton bébé. Contre tes enfants. Contre ton mariage. Contre tes enfants. Toujours démoniaque. Toujours satanique. Qui est ils sont en train de faire. Où ils sont déjà faits. Contre ta vie. Pour te détruire. Pour nous détruire. Pour nous disperser. Pour mettre les retards de rétrogradation sur notre vie. To place delay and backwardness into our life. To place affliction in our life. To place shame and disgrace in our life. To place failure. To place disappointment. Let that fasting swallow them up. Que cette chose avaler. Au nom de Jésus-Christ, avaler. Que cette chose avaler. Que ces jeunes avalent, que ces jeunes avalent, les dents d'eau, les dents fâchées, sois dehors, in the name of Jesus Christ, swallow them up, my Father, my Lord. Swallow them up, in the name of Jesus Christ. Swallow them up, in the name of Jesus Christ. Swallow them up, in the name of Jesus Christ. Swallow them up. Thank you, Jesus. Au nom puissant de Jésus, on va prier. Au nom puissant de Jésus, on va prier. Vous les voyez partout, non? Ils sont en train de faire le jeûne, non? Quel jeûne qu'ils sont en train de faire? Jeûne satanique. You see them everywhere. They are doing fasting, no? They are doing fasting. If you don't know, if your pastor don't teach you that, they are doing demonic fasting. There are demonic fasting. There are satanic fasting. There are witchcraft fasting. There are marine fasting. There are religious fasting that is wicked. It's not going anywhere. Amen. The only fasting that God accepts is a holy and a righteous fasting. Hallelujah. Amen. Le seul jeûne que le Seigneur accepte, c'est jeûne qui accompagne avec la sanctité et la justice de Dieu. Amen. Tous les autres jeûnes qu'ils sont en train de faire, c'est satanique. Alléluia. C'est satanique, oh! Oh Lord, my Father! Every demonic fasting, every satanic fasting, every witchcraft fasting against my destiny, God my destiny, God mon étoile, God mon étoile, God ma vie, God ma vie, God ma ministère, God MFM tout, tout jeune satanique, dans la mer, sous la terre, dans le ciel, dans le capot du monde, dans le rond-point du monde, dans le tetriago, dans le cimetière, que c'est du chaud, d'où il est, les dents fastin, qui d'aime, every demonic fastin, qui d'aime, every demonic fastin, against our destiny, against our glory, against our ministry, against our friend too, against our blessing, against our joy, let them die, that fasting, that name of Jesus Christ. Jesus Christ of Nazareth. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit of God. Merci, Saint Jesus Christ. Merci, notre Père. Merci, notre Père. Toute alliance magnifique de la maison de mon Père. Alliance de rétrogradation. Alliance de délai. Alliance de retard. Alliance qui attire affliction. Alliance de chèque. Every covenant of failure. Alliance de limitation. Ils ont décidé que cette famille, ça c'est votre limite. Oh, aujourd'hui, tu vas traverser. Parce que tu connais Jésus-Christ. N'importe qui ne peut pas te limiter. Lucifer n'a pas le droit pour te limiter. Ennemi n'a pas le droit pour te limiter. La sorcellerie n'a pas le droit.
Les occultes ne lèvent pas le doigt. On n'est pas délimité. On n'est pas délimité. Cette déclaration aujourd'hui, j'annule tout dans les esprits. Aujourd'hui, j'annule tout. Je brise. Tu traverses. Cette alliance, brise. That confidence, break it. Break your confidence. Shame and disgrace. Destroy that confidence by fire. Destroy it by fire. Destroy that confidence. Confidence of death. Alliance de la mort. Alliance de la mort. La mort des mariages. La mort de la joie. La mort des bénédictions. La mort des progrès. La mort de l'argent. La mort des finances. Toute alliance. Qui tue la santé, qui tue le bon chose, qui tue les enfants, l'enfant donne le ventre, alliance qui fait le faux couchement, tuez cette alliance, every covenant that bring, that make, that kill children in the womb, that bring miscarriage, kill that covenant, kill it now, kill it in the name of Jesus Christ, kill it, kill that covenant. Covenant of failure, covenant of poverty, covenant of disgrace, covenant of a successful life, covenant of prosperity. Every good thing coming unto you, they will look at your foundation, they will look at your lineage and say, this thing, this family is not merited. They will postpone it, they will cancel it. Break that covenant. Break it. Toute alliance de stérilité. Every covenant of barrenness. Barrenness. Die. Break it. Break that covenant of barrenness. Break it. Break it. Jesus Christ of Nazareth. Jesus Christ of Nazareth. Reject, refuse it. Barrenness in finance. Barrenness in childbearing. Barrenness in the marriage. Barrenness in your life. Barrenness in your journey. Barrenness in your destiny. Barrenness in everywhere. Reject it and crush it by fire. Strike it by fire. Destroy it by fire. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur Jesus Christ. Merci, Seigneur Jesus Christ. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit of God. Merci, Seigneur. Oh no, puissant, de la prière. Oh Dieu, mon Père. Favor me by fire, favor de Dieu, favorisez-moi par le feu. Demande le Seigneur. Demande. Il dit ça que tu demandes, je vais te donner. The Lord say what he asks, I will give you. Favor me. Everywhere, favor. Donne le couchement, favor. Favorise-moi. Donne mon mariage. La faveur de Dieu. Donne tout en toi que tu vas. La faveur de Dieu. Dieu, favorise-moi. Favorise mes enfants. Favorise-nous. Donne le Jésus-Christ. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Je déclare dans ta vie, jamais tu ne vas être bouc émissaire. You will never be a scapegoat. Amen. In your family, in your home. Amen. That pregnancy will not be a scapegoat. Cette grossesse ne peut pas être bouc émissaire. Au nom de Jésus Christ. Ton mariage ne peut pas être bouc émissaire. Au nom de Jésus Christ. Au nom de Jésus Christ. Au nom de Jésus Christ. Tes enfants ne peuvent pas être bouc émissaire. Je déclare sous leur vie. Par la puissance dans le sang de Jésus Christ. Tes enfants ne peuvent pas être bouc émissaire. Au nom puissant de Jésus Christ. Les enfants, vous ne pouvez pas être bouc émissaire. Au nom de Jésus Christ. Au nom de Jésus Christ. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit of God. Thank you, King of Glory. Yes, Lord. On va voir quelque chose dans la Bible. We are going to see something in the Bible. Thank you, Holy Spirit of God. We worship you, Lord Jesus. We give you glory. Michael, we have seen Michael. We have not finished that Michael. On n'a pas encore fini cette Michael. L'Esprit de Dieu m'a retenu. Il est done. We have not finished that Michael.
Verse 2, and he said, and they convert fields. They take away property of people. Il prend les choses des gens. Il convoite des champs et il s'en empare des maisons et il les enlève. David. Il porte leur violence sur l'homme. Il prend tout ce qui appartient de l'homme. Et sur sa maison. They take everything that belongs to man, even his house. Sur even l'homme. Even his household. Son héritage. Even all his heritage. All his heritage. They took it away from him. Any power that taken anything from you. Les fire pursue them. Amen. Come back that back. Tout pouvoir qui a déjà, qui a volé, qui a pris n'importe quoi, qui te appartient. Même le mariage. Alléluia. Même le mariage. Il prend tout. Tu as vu? They take marriage. Take marriage. Tu es marié, tu n'as pas encore fait l'enfant. Tes enfants, ils sont où? Est-ce que c'est ça? C'est le plan de Dieu. Tu es rentré dans le mariage, c'est pour faire les enfants. Alléluia. Si tu n'es pas encore prêt pour coucher les enfants, il ne faut pas aller marier. Que Dieu aide Jésus-Christ. Les gens ne connaissent pas tout ce qui est le péché. Tu as marié maintenant, tu as marié, tu rentres là-bas, vous faites le planning. Vous faites le planning. On n'est pas encore prêt pour coucher maintenant. On va commencer de faire d'abord le sexe. Vous êtes dans le péché. Allez, pourquoi tu as marié? On rentre dans le mariage, pourquoi? Alléluia. C'est le péché, vous êtes dans le péché. This people who doesn't know something. God created marriage for childbearing. You enter into marriage, you people go there now and be doing family planning. You have not born a child. They are not born. They are now doing sex. They are enjoying sex. And they block the place that child will not enter until when they will like. And that's why when that time comes now, where the child? It will not come. Alléluia. Mm-hmm. Have you know? Mm-hmm. C'est pour cela que le temps que maintenant il va dire, ok, c'est déjà prêt, maintenant on va faire l'enfant. Il va aller voir le médecin, enlever ça. Et il pense que Dieu, il est bête. On va maintenant chercher l'enfant. Ça ne vient pas. Parce que tu vous en train de jouer avec le Seigneur. Avec votre médecin qui sont fous, qui ne connaissent rien. Et vous dit, vous pouvez bloquer là-bas. Quand tu voulais faire l'enfant, maintenant tu vas trouver ça. Ça va commencer à devenir. C'est ton médecin qui a fait ça là-bas. Non? C'est lui qui met ça là-bas. C'est lui qui a programmé ton système. Alléluia. Vous êtes dans le péché. C'est pour ça que le mariage, c'est quand tu es mature. Ce n'est pas quelque chose qu'on rentre vite, vite. C'est quelque chose que tu dois être prêt. Alléluia. Vous commencez maintenant à faire. Il y a les autres, même dans le mariage, ils commencent à faire la porte. Avortement, parce qu'il n'est pas encore prêt. Vous va payer cher, très cher. Combien de personnes que vous avez tuées, ils vous attendent dans la porte de rentrer à l'enfer. That's why many of them, many self will be in that marriage, they will be killing, doing abortion, removing. We are not ready to have child now. We are not ready to have child now. We are not ready to have child now. And they enter marriage. And not that they have even born, nothing. You will enter for sex purpose with your doctor. When time comes now, you go and meet doctor because he is is God. He created it. He will now open it. Then things begin to come. That's why you cannot get anything. God deliver us in the name of Jesus Christ. Amen. Father, have mercy upon us. Amen. Deliver us, Lord Jesus. Va dans les vraies églises. Où le pasteur te dit la vérité, il ne regarde pas celui que tu es. Il parle à travers la voix de Dieu. Il ne veut pas aller. Il cherche Dieu facile. C'est pas ça, il est pressé, Il vient là-bas, donne 30 minutes, on a déjà fini. Pourquoi votre église vous prend tout le temps là-bas? Ça, c'est l'église de Jésus-Christ. Dans la Bible, tu ne veux pas voir Jésus-Christ rentrer dans le synagogue, dans 30 minutes, il quitte. Des fois, il prend tout le journal, il prend ça là-bas, il est renseigné la parole de Dieu. C'est comme ça aussi les apôtres. Si tu voulais aller faire les bêtises, si c'est chez ton copain que vous avez fait la fornication, tu vas même rester là-bas. Jusqu'à quand vous va finir, même quand il va lui dire que tu peux partir, tu vas lui dire que je suis parti, que je voulais dormir jusqu'à demain.
le péché, vous restez là-bas jusqu'à demain. Mais devant le Seigneur, où que tu vas aller apprendre la vérité, Satan va commencer à te piquer avec le pied dans ton bouton pour partir. Parce que tu es satanique. Que donne aide de Jésus-Christ. Amen. God help us to know the truth. I pray, whatever you have lost in the dream, those people attacking you in the dream, des prières, toutes choses que tu as perdues dans le rêve. Parce que tout ça en train de nous passer bien aimé. Ça commence d'abord, il commence d'abord spirituel. Tout retard, souffrance, difficulté, n'importe quoi que ça soit, c'est d'abord dans le règne spirituel. Alléluia. Ça va commencer. Et tu vas aller voir le faux pasteur, il va te dire que c'est le rêve, c'est le rêve. Ça, peut-être que c'est ton imagination. Quelle imagination? You go and see all these fake pastors, they will tell you, it's, maybe it's your imagination. That dream, forget about it, it's your imagination. It's your imagination. Everything that will happen to you will first of all take place in the realm of the spirit. That's why when you dream, when God will wake you up, when he tap you, we wake up, that dream, he need you to tackle it, speak on it, so it shall be. So it's like a country door, country fait the rêve, des fois, immediately, and the rêve, quand tu fais, tu vas réveiller. Qu'est-ce que le Seigneur t'a réveillé pour faire? Il dit, déclare quelque chose sous cette rêve immédiate. Et ça termine. Ils ont programmé quelque chose de mal sous ta vie. Réveille-toi, mon enfant. Cet esprit va venir te dire, réveille-toi. Voilà ce qu'ils ont déjà déclaré quelque chose sous ta vie. Rejette immédiate. Si c'est la bonne chose, réclame immédiate. À manifester. Et quand on va dans une faux église, qui ne connaît rien, on revient. L'eau congelée. Tu vas compter de les voir, de parler de l'amour des deux. L'amour des deux, c'est quoi? Vous n'êtes pas l'amour. C'est ton pasteur qui n'est pas l'amour. Pasteur qui n'est pas te dit la vérité, ne dit pas, ne peut pas expliquer la Bible. Rentrer dans nos profondeurs. Débloquer et déchirer la Bible. Dieu nous a donné ça pour déchirer. Ce n'est pas leur faute. Je vais rappeler quelque chose que Dieu voulait vous dire. Ce n'est pas leur faute. Regarde ce que le Seigneur a dit. Daniel, dans le livre de Daniel. Let us see. It's not their fault. Those pastors that don't know Bible, they don't know. They cannot teach you. They cannot take you deep into the Bible and let you know what is happening to your life and what's happening to this world. The mystery of this world and what is going on. So that you can know how to pray your way out and cry unto the Lord. Because they don't know it. They don't know it. See what Daniel is saying. In the book of Daniel, let us see Daniel. Dans le livre de Daniel, Daniel 12, à partir de 8 et 9, c'est 9 vraiment que je veux. Mais, on lit à partir de 8. It is Daniel 12, from verse 8, 9. 9 exactly is where I want. But let us read from 8. Daniel 12, à partir du verset 8. Ok. J'entendis, mais je ne compris pas. Et je dis. Il ne peut pas comprendre. C'est comme ça que tous les pasteurs ils sont. Tous les faux pasteurs qui ne prêchent pas là. Il connaît quoi? Il veut prêcher quoi? Ici. Daniel heard it, but he said, I don't understand. That's how all these pastors is. How can they understand why they are teaching? Why they only go for school for philosophy and theology? Their pastor is the one that called them. Their GO, their spiritual father called them. Comment tous les pasteurs là vont comprendre? Parce que quoi? Celui qui l'a appelé, c'est lui, le papa spirituel. Ce n'est pas Dieu. C'est le pasteur qui l'a appelé, formé, prépare pour aller lui représenter. Donc, il ne peut pas comprendre le mystère de Dieu. Il dit, je ne comprends pas. Il dit, I did not understand. J'entendis, mais je ne compris pas. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il me répondit. What is the end of all these things? And the Lord answered him. Il répondit. Va, Daniel. Va. Go your way, Daniel. Car ses paroles sont tenues secrètes. Il sait quoi? Sont tenues secrètes. The word of God, the Bible, is a secret book. Only known by God. La parole de Dieu, la Bible là. Notez ça, mets ça dans ta tête. Le Seigneur, il m'a réveillé ça encore. Il dit, ma parole, c'est secret et caché. Par moi-même. Et maintenant,
scellé jusqu'au temps de la fin. Thank you. Secret, caché, maintenant à la fin, scellé. Jusqu'à le temps et la fin. It's wonderful. My word, the Lord said, look, Daniel, my word is secret. It's secret. Seed. To the end. Bible is a seed word of God. That's why you need the Holy Spirit. Not your G.O. Not your papa spiritual. Not your, how long ago? You go to seminary school, 21 years in seminary school. Zero. 21 years, 30 years, 40 years, zero. Your 100 years in seminary school cannot decode whatever God sees. Hallelujah. Amen. Hey. La Bible, il n'est pas combien des années que tu as fait dans l'école séminaire. Séminaire, c'est ça, non? 21 ans de séminaire. 31 ans, 100 ans de séminaire ne peut pas décoder la parole de Dieu. On a déjà vu ça aujourd'hui. Le pape qui est là-bas, il connaît quoi dans la parole de Dieu? Alléluia. C'est ça. Tout le professeur de le monde, professeur du monde, il connaît quoi dans la Bible? Puis les degrés, master et tout, ils ont quoi? Zéro. Parce que quoi? La Bible, c'est livre secret de Dieu qui est libre, même là. C'est ça. Alléluia. You see it? The people there doesn't know the Bible. Because of what? It's a sealed book. The professors of the world don't know the Bible. The president of the world don't know the Bible. Le président du monde ne connaît pas la Bible. S'il connaît la Bible, il ne peut pas combattre contre Dieu. Et ses enfants, il ne peut pas combattre. Parce que quoi? C'est un livre secret de Dieu. Ce n'est pas Dieu. Et il donne la sagesse de cet livre à tout ce qui lui appartient. Alléluia. You see it? This Bible, he gives it only to them that the secret of that Bible, the key. He said, Peter, the key I have given unto you. Il a dit, Pierre, je te disais là, clair. Pierre là-bas signifiait mes serviteurs, tout ce qui est mes serviteurs qui sous le évangile que Dieu a donné, Pierre. La clé de ma parole, je vous ai donné ça. Et cette clé, c'est quoi? Le Saint-Esprit. The key that he gave Peter. Peter there representing every servant of God, the true servant of God. He gave them the key, and that key is Holy Spirit, which he promised us. In John 14 and John 16, the Comforter that will come and open that seal, that secret book for us. Alléluia. C'est ça qu'il nous a promis aussi dans le livre de John 14 et John 16, que le Saint-Esprit va venir. Qu'est-ce qu'il va venir faire? Vous donnez la clé pour décoder. Ouvre sa parole. Alléluia. Comme ça. C'est pour ça qu'il a dit Daniel aussi dans le livre de Daniel là. That's why he told Daniel also in the book of Daniel there that go your way. If you read now 10, aide-moi maintenant à lire Daniel verse 10. Chapitre 12 là, verse 10. Qu'est-ce qu'il a dit? What did he say? He said, plusieurs seront purifiés. Retournez le 8. Vous êtes encore dans le 9? 9. Non, j'ai fini. 9. Daniel 12, 9. Let us read the great 9. Daniel 12, 9. Verset 9. Uh-huh. Il répondit, uh-huh. Va. Okay. Daniel, okay. Car ces paroles sont tenues secrètes, uh-huh. Et scellées jusqu'au temps de la fin. Uh-huh. Le 10 maintenant, let us return. Plusieurs seront purifiés. Plusieurs, c'est pas tout le monde. Vous avez vu, non? Bien aimé comprendre la Bible. C'est pour ça qu'il a dit, il a dit Isaïe 28, il dit, ligne par ligne, tu vas comprendre la Bible. Ligne par ligne, précepte par précepte. Ne fais pas que tu es professeur de français ou le professeur d'anglais ou professeur de n'importe quelle langue, tu vas échouer dans l'affaire de la Bible. Il a dit ligne par ligne, petit à petit, tu vas comprendre la Bible. Alléluia.
Tu as vu ça qu'elle a dit? That's why, don't read the Bible as a professor of English or a professor for any language, you will fail. That's why none of these professors understand the Bible. They don't know the Bible because they read it very fast. The Bible said, little by little, line by line, precept by precept. That's the only thing that you can use to understand the Bible. Retournez là-bas. Il a dit quoi? Plusieurs seront purifiés. Purifiés. Marquez ça, il n'est pas dit tout le monde. Alléluia. You see it now? He said, many, he didn't say all. Many will be purified. He didn't say all. So you underline it. Those that will purify is his own children. Plusieurs qui va purifier là, c'est ses enfants. Ça, c'est les gens qui va tenir pour recevoir le feu de Saint-Esprit. Maintenant, quand ils sont purifiés, qu'est-ce qui va passer? Now, if they purify, what will happen? Blanchi et épuré. Vous avez vu, non? They will be pure, white, like a snow. C'est pas encore fini, qu'est-ce qui va passer? Les méchants feront le mal. C'est pas ça qu'on a envie de voir. Le méchant, il continue d'aller. Profondeur. You see, he said the wicked, when the children of God is busy purifying themselves, vous avez vu? Quand les enfants, ils vont continuer de purifier eux-mêmes pour leur papa, pour l'avènement de Jésus-Christ, qu'on est en train de faire maintenant, eux, l'église là, toutes les faux églises là, en train de manquer de nous, ils sont continuants dans leur méchanceté et en train de mélanger le monde avec Jésus-Christ. Alléluia. Continue encore. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. J'ai vu, non? Même ceux... Tous les pasteurs qui sont méchants, qui ne prêchent pas la vérité, ne peuvent pas comprendre la Bible. Et ne pas comprendre ce qui est passé. Même ceux qui auront l'intelligence comprendront. C'est dans la purification que tout ce qui a l'intelligence va comprendre. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Tout ce qui est, c'est pour cela que tout ce qui est l'intelligence, c'est tout ce qui est en train de chercher le vrai Dieu maintenant. C'est eux aussi qui vont purifier. C'est eux aussi qui vont accepter la purification. C'est eux aussi qui vont savoir que le Seigneur nous a dit d'élire à temps dans l'esprit, dans la vérité. Quand le monde est en train de couler, en train d'aller faire les choses, tout ce qui est purifié va rester sous la voie de l'élève, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. You see it? The wise is the one that will be purified. The wise are the one that will be given intelligent to understand this Bible. It's a secret book. It's a seal. It is sealed. It is not anyhow book. It is not anyhow book. Hallelujah. Que Dieu aide notre Jésus-Christ. Aide-moi encore. Help me read. Isaïe 29, verse 11. Let me read in English. Isaiah 29, verse 11. Isaiah 29, 11. Isaïe 29, verset 11. Je le lis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté. Que l'on donne à un homme qui sait lire en disant, lis donc cela, et qui répond, je ne puis, car il est cacheté. il ne veut pas comprendre, parce que la Bible, c'est caché. The Bible is a sealed word of God. The pastor cannot understand it, because it's a sealed word. You need Holy Spirit to decode it for you. Hallelujah. Isaiah 29, verse 11. Okay. The meaning of every prophetic vision will be answered for you. It will be like a sealed scroll. It is like a sealed scroll. If you take it to someone, how to read and ask him to read it to you. He will
You can't read it. It is a sea book. La Bible là, tu prends ça à quelqu'un. C'est pour ça que tu prends ça à aller chez le pasteur qui ne connaît rien. Il dit, il ne peut pas décoder ça. Parce que c'est. Le pasteur dit, je ne le comprends pas. Parce que quoi, il dit, c'est caché et scellé. Qui est ton pasteur? Que Dieu aide en Jésus-Christ. Que Dieu aide. Lis maintenant, aide-moi à lire Proverbe 4, verset 7. Aide-moi à lire Proverbe 4, verset 7. Proverbe 4, verset 7. Proverbe 4, verset 7. Verset 7. Oui. Proverbe 4, verset 7. Proverbe 4, verset 7. Oui. Je le lis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voici le commandement de la sagesse. Le commandement de la sagesse. Le commencement de la sagesse. Le commencement de la sagesse. Acquiers la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiers l'intelligence. English. Getting wisdom is the most important thing we can do. Amen. Wisdom is the principal thing. Therefore, get wisdom. And with all that getting, get understanding. And that is why Bible is sealed. So, and he said, in everything you need, all the riches, all the money you are pursuing every day, without the Holy Spirit, you are a failure. You cannot decode the Bible. You cannot understand it. You need only the Holy Spirit. That's the wisdom we need. And that's what Jesus gave us in John 4, and in John 14 and John 16. Hallelujah. And the thing came to bat in Acts of Apostles chapter 2. Hallelujah. It is, don't do something to church. The meilleur chose que tu dois chercher dans ta vie, c'est la sagesse. Et la sagesse, c'est qui? C'est Jésus-Christ. La sagesse-là vient de où? Le Saint-Esprit de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, tout ce que tu as de poursuivre dans ta vie, ton pasteur, bishop, l'église, cherchez-vous la sagesse. Cherchez-vous Jésus-Christ et vous ne pouvez pas aussi trouver ça sans la sainteté. Et tous les pasteurs, l'église, ils sont abandonnés. Alléluia. C'est quand tu es ça, il va te maintenant donner la sagesse pour du code de la parole-là. C'est par ça, par lui-même. Première chose, Dieu lui-même, qui est la première chose, cherche-le. Il va te donner maintenant la sagesse. C'est pour cela qu'il a dit, si on avait lu Daniel 12, 8 là, il a dit Daniel, partis-toi. Frame cet livre. Frame cet livre. Il faut lire that Daniel, Daniel 12, 8. Where he said Daniel? Go your way, Daniel. Go your way. Arrête de me dire, Daniel. Va-toi. Daniel voulait comprendre toutes choses. Le Seigneur a dit non. Daniel, ça là, c'est pas pour toi. Il a déjà gardé le Saint-Esprit. Il va venir révéler le groupe, la génération que cette révélation concerne. Va-toi, Daniel. Fermez cette livre. J'ai serré cette livre jusqu'à la fin des temps. Et c'est ça que nous sommes maintenant. Le Saint-Esprit m'a aidé à descendre. Je vais chercher, oui, mes enfants, oui, tous qui sont prêts. Qui sont prêts pour faire quoi? Purifier eux-mêmes. Ce n'est pas n'importe qui. Alléluia. Ici, what he's saying. C'est Daniel, close that book. I keep it for end time. For as many, he said, many that will be ready to purify themselves. Then I will release that anointing to know what is written in this book, to begin to decode it and show my people what is about to happen. So Daniel, go your way. End time, you come. So where are you? Dead church, dead assembly. Run for your life now.
This is no more time for church, religious time now. C'est pour ça que tu es où? Il faut courir maintenant, aller chercher ta vie. Ça, c'est pas le temps des religieuses. Cet temps est déjà passé. Mon église est déjà passé. Nous sommes le temps de la vérité. Le temps où décode la parole de Dieu et nous dit la vérité sincère. Dis-nous où qu'on va. Si tu vas à l'enfer, je vais te dire que c'est l'enfer. Tu veux fâcher, fâche. Les religieux aujourd'hui, ils disent, ils sont en train de faire tout pour abolir tout le message concernant la fin. Précisément, tu vas voir tous les pasteurs là, ça qui est prêché aujourd'hui, c'est l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, l'amour de Dieu. Tu ne peux pas aller voir de parler de la fin. Quelle église, ça c'est quoi? We will see all this, they are dead church, dead assembly, they gather themselves together. The pastor will be speaking from month to month, from year to year. You never hear him talking about hellfire. What he tells them is God is love. Grace cover them. God is love. Grace cover them. It's a dead assembly. Come out from it. Hellfire exists. There is no message. Every true man of God, Bible talk about this too. Always. They are now speaking, giving you nonsense message. May God deliver us in the name of Jesus Christ. May God deliver us in Jesus Christ. But now we are going to do another thing. I'm going to see something. In the book of Hosea. Hosea. I'll see something in the book of Hosea. Thank you, Jesus. The book of Hosea. It says something there. All this situation, all this problem, the Lord says something to you and I, which we must, as we are destroying the work of darkness and work of the enemy, we must be very careful also that we don't do nonsense. Hosea, the book of Hosea, let us read Hosea 8. Hosea 8, à partir de verse 2. Hosea 8 from verse 2. Hosea 8 à partir du verset 2. Ils crieront vers moi. Ils crieront vers. Moi. We are going to cry unto the Lord. Mon Dieu. Nous te connaissons, nous Israël. Ok. Israël a rejeté le bien. We have rejected the good thing. Israël a rejeté le bien. L'ennemi le poursuivra. This is why we are going through this retrogradation, backwardness, hardship, attack, sickness, sorrow, pains, everything negative. Because you have rejected what God has given unto us that's supposed to protect us. The commandment of God, the status of God, the instruction of God is a divine protection for his children. Hallelujah. Parce qu'on a rejecté ce que Dieu nous a donné, qui doit nous protéger, Isaïe de Dieu. On a rejecté ça en train de vivre comme le monde. Cette protection, c'est le commandement de Dieu, l'instruction de Dieu. Tout ça que le Seigneur nous donne, on a rejecté. Vendredi, on avait lu Lévitique 26. Il dit, parce que vous refusez mon instruction. Ne va payer le prix des dettes. Alléluia. Ce n'est pas seulement notre dette. On paye pour notre ascension. On paye aussi pour nous. Alléluia. In the book of Leviticus 26, we read from verse 40, he also said, we will pay the debt of our own and debt of our own ancestors because of what we refuse. He said, we resist his instruction. Parce qu'on on resist l'instruction de Dieu. Israel have rejected what the Lord has given unto us to cover us, to form an edge of fire around us. Now, enemy pursue us. Il dit maintenant, l'ennemi nous poursuit parce qu'on a refusé ça que Dieu nous a donné qui doit nous couvrir, qui doit former un entourage sur notre vie. Maintenant, l'ennemi nous poursuit. Rejet nous attaque. Sorcellerie nous attaque. Les occultes dans la famille. Le démon.
mal, maladie, infirmité, toutes choses commencent à nous frapper. C'est pour cela que dans cette délivrance, après ça, ne retournez pas, ne regardez pas arrière. Ne pas être comme la femme de Lot. That's why after the deliverance, don't go and be like the wife of Lot again. It is time that the Israelites must move forward. It is time to move your life forward in the Lord Jesus Christ. Uh-huh. Israël a rejeté le bien. Uh-huh. L'ennemi le poursuivra. Ok. Ils ont établi des rois. Ils ont maintenant établi les pasteurs. Sans mon ordre. Ok, ça va. Je ne veux pas aller loin. Qui est ton pasteur que tu as établi? They have established their own pastor, their own king, their own pastor, their own G.O., their own spiritual father, spiritual mother, mama G.O., whatever. What are they preaching to you? Without God's instruction. And what happened? Serpent is now biting us. Delay, hardship, failure, reject, everything, weakness, death, untimely death, ego, everything. Maintenant, on a parti établir notre église, notre pasteur, notre bishop. Papa spirituel, papa sous-tête général, prophète, prophétesse et tout, qui nous a dit de dire le mensonge. Et qu'est-ce qui arrive maintenant avec tout ça là? Le serpent. Regarde ce qu'il a dit, le livre de Ecclésiaste 10, verset 8. Alléluia. See what you now say in the book of Ecclesiastes. Let me read in English. Ecclesiastes chapter 10, verse 8. Livre de Ecclésiaste 10, verse 8. Serpent now, he said, whoever that break the wall, serpent will bite him. Il dit, tout ce qui a brisé le mou, le serpent il est gorgé. Oui, le serpent là signifie, rappelle que serpent c'est Satan. Parce que tu as brisé, ça que le Seigneur il a utilisé pour nos couvres, serpent c'est Satan. Donc tu as tout chose mal. Comment tu frappes tout le monde? Même serpent c'est Satan. So, when you are breaking the wall, you have go and establish your own church with your own pastor. You don't want to be where they will be teaching you the truth. You run to go and establish your pastor because you want to make money. Serpent will be biting you everywhere. Parce que tu ne veux pas rester ou que tu as dit, tu vas te rester et dire la vérité. Tu as parti établir ton église avec ton faux pasteur. Serpent ne va pas continuer de vous gorger dans cette église. C'est ça que la parole de Dieu dit. Ecclésiaste 10, Uh-huh. Anyone that dig a pit fall in the it. C'est ça qu'on va tout ça qui a creusé un fossé contre toi, il va tomber du don de Jésus-Christ. C'est ça qu'il ne creusé pas ça pour quelqu'un. Anyone that dig a pit for you must fall into it in the name of Jesus Christ. Amen. They will go into it in the name of Jesus Christ. Those people don't know fall and die. You see it again in the Bible. Fall into it. People don't know the Bible. They say they are praying fall and die. What do you know by fall and die? You are a witchcraft. You will fall and die inside your own wickedness. In the name of Jesus Christ. Amen. C'est pour ça que les gens, tu as vu encore? Tombe-moi, c'est pas ça qu'il y a là-bas. Donc les gens qui disent que tombe-moi, c'est la prière des sous-élis. Tu as même, tu vas tomber et mourir. Tu as vu encore? Il dit tout ce qui creuse le fosse pour les gens. Si tu fais ça, tu vas, la Bible dit tu vas tomber. Et du don au nom de Jésus-Christ. Amen. Continue. Go on. If you break turn away. If you broke the wall. A snake will bite you. Tu as vu, non? Cette mousse, c'est quoi? C'est ça que Osaïe a dit. Vous avez brisé la loi de Dieu. Il dit, l'ennemi maintenant, et vous poursuivez cet ennemi, c'est quoi? Serpent. Il nous poursuit. Nous gâchons. Alléluia. Le mot, le chose que Dieu a utilisé pour nous, couvre. Vous avez brisé ça. You see it? The wall, all what God used to cover us, you have broken it. Serpent will bite you. Serpent will fire you. Satan will pursue you. Delay, everything, hardship, difficulties, divorce and the marriage. Oh, everything will go along, pursuing you. Quand tu as brisé cette mot, mauvais rêve. Sexe dans le rêve. Romance dans le rêve. Couchement dans le rêve. Tu vas continuer de perdre les bonnes choses dans le rêve. La nudité dans le rêve. La nudité dans le rêve.
Romance dans le rêve. Neiger dans le rêve. Boire n'importe quoi qu'ils ont amené dans le rêve. Il y a les autres même qui mangent caca dans le rêve. Caca dans le rêve. That's people that, you see, when you break the wall, all these things will be happening to you. Negative dreams. Demonic dreams. Sexual intercourse done in the dream. Snake pursue you in the dream. Snake even have sex with some people in the dream. Marine spirit in the dream. You begin to do things that you don't supposed to do in the dream. Immorality in the dream. Because you are breaking the wall. Parce que tu as déjà brisé une mauvaise chose. Comment ça arrive dans ta vie? Homosexual in the dream. Masturbation. La masturbation. Homosexuel. Lesbienne. Dans le rêve et physique. In the dream and physically. Living in sin and iniquity. Physically and spiritually. Tu vas voir toi-même en train de vivre dans le péché et dans l'iniquité. Dans le rêve et même dans le physique. Tu voles le physique et tu vas voir toi-même en train de voler aussi dans le rêve. Alcool. Spirituel et physique. Tu vas toi-même en train de boire alcool dans le rêve. Tu dis que tu es un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu. Quel enfant de Dieu que tu es? Tu trouves toi-même dans le fétisme. Tu es en train de fêter, en train de boire alcool, de danser alcool. Jacques Daniel, tu es en train de boire. Tu dis que tu es un enfant de Dieu. Quel enfant de Dieu? You are a child of God. You see yourself, you are drinking alcohol in the dream. You need deliverance. Pollution. It's a pollution completely. Festival celebration everywhere. In the dream also, you see yourself doing celebration everywhere. These are delay, spirit of delay operating in your life. Tout cela, c'est l'esprit de delay et retard. L'esprit de tu montes, tu tombes. The spirit of rising and falling in the name of Jesus Christ. We will not rise and fall in the name of Jesus Christ. Spirit of debauchery, debauch. Dans le rêve physique et spirituel. Masturbation, lesbienne. Bastardism. C'est ça qu'on appelle bastardism. Les gens qui couchent avec les animaux. Animal, toutes les choses que le Seigneur dit, on ne doit pas faire. Lévitique 19. Lévitique chapitre 19, Lévitique chapitre 20. Vous ne devez pas coucher avec l'animal. Il dit, c'est quelqu'un qui fait ça. Il voulait tuer, il voulait lapider au milieu de vous. Mais aujourd'hui, regarde ce qu'ils sont en train de faire. Les gens couchent avec l'animal. Bastardisé. He said his word. But anyone that is here among you that sleep with animal. Stone him to death, cast him away from you people and kill that animal. But today, what are they doing? Is it not what all the things they are putting in the law? Are they not marrying animal today? Is it not in their law? Is the Pope not marrying human being with animal? Bastard is exactly what they are saying. Pope is actually doing marriage with his animal. Tout ça que la Bible contient. Va lire le livre de Lévitique 19, Lévitique 20. Le Seigneur a dit, jamais! Je ne fais pas voir les hybrides. Non. Animal ne doit pas coucher avec l'homme. C'est interdit. Mais ils ont dit, non, ça c'est pas possible. Quand on prêche, on dit, il va nous tuer. Va me tuer! Il va dire le peuple de Dieu la vérité. C'est bien que tu me tues maintenant même que je vais vite aller poser avec mon papa. Si mon papa est parmi ça, si il n'est pas parmi ça, tu ne peux pas. Vous forgez toute votre âme que vous avez forgée contre moi. Dieu va, il va utiliser cette âme pour vous déchirer en pièces au nom de Jésus-Christ. Toute âme forgée contre nous, n'importe qui a forgé âme contre nous, Dieu va les déchirer avec l'âme au nom de Jésus-Christ. Donc c'est ça, le Seigneur l'a dit, pour ne pas briser, ne brisez pas cette mot que j'ai forgé. C'est notre protection. Si on ne veut pas que toute cette bêtise continue. Que Dieu soit glorifié dans le Jésus-Christ. Finalement, on va aller voir dans le livre de. Finally, let us go here and take this prayer. On va aller prendre cette prière dans le livre des rois. Il y a la prière et il y a aussi la leçon à prier là-bas. There's prayer and there's also lesson to learn there. Second King 13. Des rois 13.
verse 15 jusqu'à 9. Jusqu'à 19. 2 Kings 13, verse 15 to 19. The Lord, when the Lord said, pray and destroy them. Pray until something happens. That's why in MFM, when we are praying, when we are saying, when in our ministry, when we say, pray until something happens, no, don't give, don't silence. Don't pray like you are romancing the devil. Deroua 13, verse 15 jusqu'à 19. Deroua 13. Tu vas voir comment le chrétien doit prier. Prier jusqu'à le temps que quelque chose va arriver dans ta vie. On n'est pas là pour la prière, c'est pas là qu'on prie, on fait, on repose, on fait ça. Prier jusqu'à, qu'est-ce qu'il a dit? Regarde le prophète de Dieu en train de parler. Deux rois 13, à partir du verset 15 jusqu'au verset 19. Ok. Je lis la parole de Dieu. Amen. Élisée lui dit, prends un arc et des flèches. Et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël, bande l'arc avec ta main. Et quand il l'eut bandé de sa main, Élisée mit des mains, mais il mit ses mains sur les mains du roi. Et il dit, ouvre la fenêtre à l'Orient. Et il ouvrit. Élisée dit, tire. Et il tira. Élisée dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Tu vas recevoir ta délivrance au nom de Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur va lancer. Il dit, cette flèche, il vient de Dieu. He said that arrow is arrow of deliverance. That arrow comes from God. Let the Lord release arrow of deliverance. And locate every power that said that you will not be delivered this afternoon. Amen. Prends d'abord cette prière. Let us prendre cette prière. On va continuer. Que le Seigneur relâche le flèche de délivrance. Localise tout pouvoir qui rejette ma délivrance, qui refuse ma délivrance, qui attaque ma délivrance, qui combat contre ma délivrance. Reçois le flèche de destruction de Dieu. Reçois. Let it receive. Arrow of deliverance. Lord, release your arrow of deliverance. Release your arrow of deliverance. Deliver me. Relâche ton flèche de délivrance. Délivre-moi, Seigneur Jésus-Christ. Délivre. Y'a le flèche de délivrance, bien-aimé. There is arrow of deliverance. Délivre-moi. Papa, relâche ta flèche de délivrance dans ma fondation, dans la maison de mon père, dans ma vie. Que ta flèche de délivrance, délivre-moi. Dans l'esprit d'échec. Release your arrow of deliverance into my life. Et que spirit of backwardness, spirit of delay, spirit of failure, spirit of hardship, spirit of affliction, spirit of sickness, spirit of sorrow, spirit of every spirit of poverty. Receive arrow of deliverance of God. Liberate me, set me free. Against sickness and sorrow. Against sickness and sorrow, against hardship, against difficulties. Papa release, arrow of deliverance. Jesus Christ of Nazareth. Que Dieu nous aide au nom de Jésus Christ. La parole de Dieu, il vient dans la colère. La plupart de nous, combien de personnes qui connaissent parmi nous que Dieu il a le flèche de délivrance. Commandez cette flèche sur ta vie. Il n'est pas encore fini, continue.
Des fois, j'ai regardé. Quand je tombe sous révélation de Dieu, je prie avec l'âme. Et j'appelle Dieu sous ma vie. Je réclame ma délivrance. Si tu ne fais pas comme ça, tu vas rester là-bas. Le Seigneur, il y a déjà, il y a tout le matériel. Il dit, demandez, je vais te donner. Si tu ne demandes pas, tu attends le pasteur. Ça te regarde là-bas. Cette église, ce n'est pas l'église qu'on attend le pasteur. Le pasteur, il est là-bas pour te fournir et donner tout ça que tu as besoin. Seulement quand tu fais, si c'est dit, il va te rejoindre. Mais pour lui, sa mission, c'est, la Bible dit, il a dit, nourris mon peuple. Nourris mon peuple. Donne-le tout ce que je t'ai donné. Que mon peuple doit être sage. That's what the Bible says. This ministry is not the ministry you sit down there and be waiting for pastor if it, until the pastor touch me and if the pastor fed this man. You must know how to fight the battle. When we cut revelation, your head must get mad. Do you know that? Do you know many doesn't know that God have arrow of deliverance. Send your arrow of deliverance into my life and deliver me. You are praying the prayer like as if you are praying for me. Relax, ta flèche de délivrance pour me délivrer. On a fait cette prière comme que vous avez fait pour moi. C'est pour moi, il n'y a pas de problème. Que Dieu me délivre. Que Dieu me délivre. C'est le pasteur que c'est moi qui a. Est-ce que Dieu a les flèches de délivrance? D'abord, il vous a fait montrer que Dieu qui vous appelle, il a les flèches de délivrance. Et mais tu cherches la délivrance, mais tu ne veux pas connecter sa vie et brancher sa vie dans cette chose. Ça commence à appeler le Seigneur. The Bible show you now that God has the arrow of deliverance. Instead of you to connect to it and cry to God that release your arrow of deliverance into my life. The prophet, one of the major prophets in the Bible, are telling you, Prophet Elisha is saying it there now. Parmi les prophètes de la Bible, parmi les meilleurs prophètes de la Bible, a-t-il fait comprendre que Dieu il a les flèches de délivrance. Continue. Il a dit quoi encore sur cette flèche encore? Il sait something again on that flèche. Une flèche de délivrance contre les Syriens. Contre les Syriens, tu as vu? Contre tes amis et tes ennemis. Arrow of deliverance against your enemies. Against your problem, against attack, against your child in the womb. Flèche de délivrance contre les Syriens. Les Syriens, c'est l'ennemi. Qui a attaqué le bébé? Qui a attaqué en grossesse que tu es? C'est le Syrien. Que Dieu relâche son flèche contre eux. On est là à train de prier pour moi. Pour continuer de prier pour moi. Tu battras les Syriens à Afek. Ok. Jusqu'à leur extermination. Non, il ne faut pas battre. Don't strike them. Laissez les Syriens. Tu es avec les Syriens qui sont aussi les Syriens qui continuent de menacer. Il ne faut pas les battre. Toutes les situations que tu n'es pas combat contre, il va combattre contre toi. Et il va te détruire. Every situation, you see, Assyrian, signifie aussi Syrien, marine spirit, evil spirit, mammy water, all kind of things. Every battle you fail to fight will finish you. Hallelujah. Amen. Continue. Vous êtes, quel verset? Verset 18. Maintenant, vous êtes dans le verset 18? Oui, je rentre au verset 18. Ok. Lisez verset 18. Élisée dit encore. Prends les flèches. Prends encore les flèches. Et il les prit. C'était que il répète again because of what the word the king is doing is not pleasing Elijah. Pourquoi il a dit prendre encore? Parce que ça que le roi a en train de faire, ça que vous êtes en train de faire, ça que le membre de l'église est en train de faire, comme vous êtes en train de m'attendre maintenant, ça que vous êtes en train de faire, ne lui plaît pas, vous n'êtes pas connecté dans l'action. Il a dit prendre encore. Et qu'est-ce qu'il a fait? What did he do again? Et il les prit. Il take it again. Élisée dit au roi. Il take prayer again. Il take prayer again. Élisée dit au roi d'Israël. The Lord, he said now to the king of Israel, that is the people, as you are hearing me now. Frappe contre terre. He said, smash the earth. Et il frappa trois fois. Strike the earth. Et s'arrêta. He struck one, two, three. He stopped. See now, see.
Il dit frappe, c'est-à-dire frappe tes ennemis. Frappe, c'est prophétique. Frappe cette situation. Priez, attaque-les. Il a fait. Il est fatigué. Pasteur est prêt, il est fatigué. Regarde quelle réponse le pasteur il a dit. Elie, le pasteur, qu'est-ce qu'il a dit? L'homme de Dieu s'hérita contre lui. Il a fait quoi? Il s'est hérité. Non, il est dans la joie. Il est dans la joie, non? Qu'est-ce qu'il a dit à la fin? Et il dit, il faut frapper 5 ou 6 fois. Non, il faut aller à la maison, aller manger McDo. Alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant, tu les battras 3 fois. Le problème que tu as en train de pitié, il ne veut pas te pitié. Alléluia. La situation que tu as été de pitié ne veut pas te pitié. C'est ça qu'elle a dit de parler là-bas. Alors, tu battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant, tu les battras 3 fois. Parce que quoi? Il faut sous ça. Parce que la première fois qu'il a les frappes, il a frappé 3 fois. Arrêté. Il fallait faire 6. Continuons ça qu'elle a dit de dire que. Continuons, et tu ne dois pas arrêter jusqu'à demain te dire que. Oh non, bizarre de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. That's what it means there. He asked him to strike, strike. He did not give him time. That is, pray until something happened. Pray. You pray until you stop. And the man of God said, because you have done this, you will have continued their prayer. You will have continued striking them. You will have continued striking the Assyrian, the evil power, powers of the father's house. Power is in your life. Power that want to disgrace you. You will have continued until I will tell you stop. But because now you stop by yourself, only 3 times you stop. You will only overcome them 3 times. They will finish you the rest. Hallelujah. Say, so, oh, it is prophetic. Where have you know? Ça, que ça signifie que le pasteur a dit prier. Tu as été des romances. Ce n'est pas la prière que tu fais. Tu romances, tu dois être fatigué. Maintenant, il a dit, comme tu as fait ça, tu devais continuer dans cette prière. Continue dans cette prière. Jusqu'à moi-même, il va te dire, arrête. Jusqu'à tu vas attendre la voix de Dieu. Tu as fait seulement 3 fois et tu as arrêté. Signifie que tu vas seulement battre tes enfants là, tes ennemis là, la sirène là qui a été menacée, pour voir qui a été menacée, l'esprit de la mort qui a été menacée, tout qui voulait te détruire, tu vas laisser le mot battre 3 fois et le reste, il va te gagner. On fait la prière aromatique. Moi, je ne suis pas dans tous ces appels. Je ne suis pas dans ces genres de prières. La paix, c'est pour ça que Jésus-Christ aussi, il a venu dans le Luc 18, il dit, priez-vous sans cesse. Comprends la Bible. On vous renseigne la Bible. I teach you Bible. Understand Bible. The same thing that made Jesus Christ to come in Luke 18, he said, pray without ceasing. Pray without stopping. Pray until something happens. Hallelujah. Just because he said, priez sans cesse. Priez. Il n'y a pas la fatigue dans la prière. Jusqu'à le temps que quelque chose va arriver dans ta vie. Priez. Ne regarde pas quelqu'un, ne regarde moi. Quand je fais ma prière, je fais pour moi. Fais pour toi. Quand nous sommes dans le bataille, nous sommes, quand les militaires sont dans le bataille, personne ne regarde pas quelqu'un, tout le monde concentré. Parce que si tu essaies, peut-être le temps que tu vas dire que tu regardes l'autre, c'est le temps que tu vas recevoir le bas. En prière, regarde quelqu'un qui me connaît avec son problème. Je suis devant le Seigneur. Nous sommes devant le Seigneur. Chacun de nous a son problème. Je présente mon cas sous le Seigneur. Je prie. Si je veux, je reste sur la terre. Si je veux, n'importe comment tu veux. Jusqu'à la voix d'un homme de Dieu qui a dit de continuer. Il dit au nom de Jésus-Christ. Même
même si tu n'es pas encore ok, tu contrôles dans la prière. C'est, quelqu'un, il n'y a pas quelqu'un qui va venir te dire, arrête. Non. Parce que quoi? Anna, il a dit. Anna, il a dit. Il a dit, Elie. Elie dit, Anna, tout le temps, pourquoi tu fais ça? Tu as déjà bu encore alcool. Anna dit, oh, papa, pasteur, je n'ai pas bu alcool. Tu ne peux pas comprendre comment c'est ça que j'ai envie de traverser mon cœur, il est. Si ton cœur, il est dans la paix, c'est pas un personne ne peut pas te dire d'arrêter, que tu arrêtes la prière. Si ton cœur est très vraiment déchiré sous ça que tu as dépassé, n'importe qui ne peut pas venir te dire d'arrêter, que tu arrêtes. La prière ne tue pas. La prière ne tue pas. C'est sa voix qui va partir. Après 3 jours, ça va revenir. Ça me fait mal des fois. Des fois, je prie que le Seigneur, mets-moi, fais-moi sortir dans cette vie. Amène-moi à mon destination. Parce que le temps que je sois en Espagne, je sais comment les gens. Le jour des programmes, spécialement quand les gens attendent que c'est moi qui va faire ce programme. Je vais voir comment l'église, tous les gens viennent dans. C'est pas tous les gens viennent dans les autres églises, l'église est remplie. La veillée, c'est comme, c'est plus. Les gens, la veillée, on va commencer à chercher les chaises. Les gens viennent dans les autres églises. C'est pas dans cet pays qui est pourri, qui est détruit, que Satan a déjà pris le contrôle. Ça, c'est le pays satanique. Va là-bas. Tout, jusqu'à aujourd'hui, les gens ont venu rappeler, ils sont perdus. C'est pas ma belle-sœur qui est là-bas qui a dit de m'envoyer le message. Si c'était en Espagne que Eva venait rester dans cette vie à cause de moi pour chercher sa délivrance. Mais il est dans les branches aussi, à MFM. On est en train de saouler les gens qui sont déjà péris. Que Dieu les délivre dans la main de Satan. Priez, cherchez ton Dieu. Le prophète de Dieu, l'homme de Dieu, il a dit, parce que tu as arrêté. Tes ennemis vont te gagner. Priez, jusqu'à ton Dieu que tu sais, il dit, priez sans cesse. Parce que votre ennemi, Satan, il vous cherche tous les jours. Les Assyriens, ils sont derrière toi. Les Assyriens sont déjà lancés leurs flèches. Dieu, il a son flèche pour les détruire. C'est le genre de prière, quand on dit des prières là, tu vas provoquer Dieu pour relâcher son flèche. Non. Il faut changer ton système de prière. Changer ton système de prière. Si tu voulais provoquer Dieu, si tu voulais secouer, si tu veux que ta prière secoue le ciel, où que Dieu il est. On a vu, il a dit, que si mon peuple crie, you see it, il s'est énoncé dans le livre de Jésus, si mon peuple crie, c'est pas romantique, pour crier, c'est pas romantique, c'est quelqu'un qui est dans l'agonie, c'est quelqu'un qui est en besoin, c'est lui qui crie. Thank you, Jesus. Holy Ghost, deliver me by fire. Holy Ghost, deliver me. Holy Spirit, deliver me. Holy Spirit, I need your power by fire. Holy Spirit, I need your power. In Jesus' mighty name, we pray. Au nom puissant de Jésus, à votre prière. Arrow of deliverance of God. Flèche de délivrance de Dieu. Flèche de
deliverance des flots. Arrows of deliverance of God. Arrows of deliverance of God. Go! 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 Va! Dans le camp de mes ennemis. Go! In my father's house. Go! Dans la maison de ma mère. Va! Dans mon lieu de naissance. Va! Dans la mer. Va dans ma génération. Va dans ma génération. Va dans ma fondation. Va dans ma lien familial. Va. Va dans les arbres. Va dans le rocher. Va dans la terre. Va sous la terre. Va dans la mer. Va dans le ciel. Tout en toi. On m'a lié. On m'a attaché. Ils sont programmés. Retard. La honte. L'échec. La difficulté. Sous ma vie. La maladie. La difficulté. La mort. La mort. Papa. N'importe où. Ils sont programmés. Toutes ces choses. Sous ma vie. Oh Seigneur. Que ta flèche. Que ta flèche. Que ta flèche. Flèche de délivrance. Flèche de délivrance. Flèche de délivrance. Flèche de délivrance. De Dieu. Allez. 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 Va. Va. Détruis-les. 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 Libère-moi. 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 Arrow. 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 Arrow of deliverance of God. 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 Go. Go. Everywhere. They are tying me. They are tying me. They are tying me. They are bound me. They are chaining me. Oh Lord. Into delay. Into delay. Into hardship. Into difficulties. Into successful life. Wherever. Wherever it is. They are sent. My children. My home. Spirit of death. Spirit of hardship. Spirit of difficulties. They are against us. My father. King of glory. Let that arrow. Let that arrow. Let that arrow. Go. Let that arrow. Go. I don't have the deliverance of God. I don't have the deliverance of God. Go. Fight them. Fight them. In the water. In the spirit. In the heavenlies. In the high places. In the high places. Anywhere. They are. They have timing. They are programmed. Info. Against me. My household. Failure. Disappointment. Rejection. Poverty. Papa. There you go. Thank you, Jesus. Jesus. Libère-moi. Ah, flèche de Dieu, flèche de Dieu, flèche de Dieu. Libère mon bébé, dans le ventre. Libère, libère, libère. Flèche de Dieu, flèche de Dieu, flèche de Dieu, flèche de Dieu. Libère mon bébé, libère mon bébé. Libère mon grossesse, libère mon grossesse, libère mon grossesse, libère mon grossesse. N'importe où, n'importe quoi. Ils sont en train de faire, ils sont en train de faire. Contre mon bébé, contre mon grossesse. Flèche de Dieu, flèche de Dieu, flèche de Dieu, flèche de Dieu. Libère-moi, délivre-moi, 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 bébé. Délivre-moi en santé. Thank you, Jesus. Jesus Christ of Nazareth. Délivre-moi. Ah, Jehovah Elohim, King of Glory. Flèche de Dieu, tu es toi, Assyrien, Assyrien, contre moi. Assyrien de la maison de mon père. Tout Philistien, tout Goliath, tout Crocodile, tout Sapate, tout Occulte, tout Sosnerie, Sosnerie dans ma famille, Sosnerie dans ma famille. Every witchcraft, my family. Every witchcraft, my family. Every stronghold of witchcraft. Every familiar spirit, every evil spirit, every satanic spirit, Lucifer in my father's house, Lucifer in my mother's house, Lucifer in my place of birth, Lucifer in my foundation, arrow of deliverance of God, go and crush them, go and destroy them, go and consume them, altar of witchcraft, altar of darkness, that says, I will not succeed, I will not prosper, powers in this land, in this country, fighting us, let flesh, let arrow of deliverance of God, go and strike them this afternoon. Strike them now! Strike them now! Strike them now! In the name of justice! Strike them! Strike them! Strike them! Strike them! Strike them! Strike them! In the name of justice! In the name of justice! Frap les! Frap les! Frap les! N'importe où! On m'a attaché! On m'a lié! Dans le ténèbre! On m'a lié! Le maladie! M'a été hérité! M'a été hérité! Oh Seigneur Jésus! Flèche! Flèche de divin de Dieu! Flèche de divin de Dieu! Frap les! Jesus, libère-moi. Aha. Priez. Priez. Il dit frappe-les. Jusqu'à tu vas voir que le Seigneur a déjà répondu. Frappe-les, frappe-les. Avec ta prière, frappe-les. Flèche de dos, frappe-les. Tuez-les, détruis-les. N'importe quelle maladie. N'importe quelle chose, ils sont triés dans ta vie, triés dans ton ventre, triés dans ton dos, triés dans ta tête,
tu es dans ta destinée, tu es dans ta de ton étoile, tu es dans ton étoile, tu es dans ton étoile, tu es dans ton mariage, tu es dans tout organe de ton corps. Que les flèches de délivrance de Dieu, flèches de délivrance de Dieu, localise cette chose, localise cette chose. Tu es là, tu es. Fais-les sortir dans ton corps. Fais-les sortir, fais-les sortir. Flèche de délivrance de Dieu. Flèche de délivrance de Dieu. Flèche de délivrance de Dieu. Localise toutes choses négatives qui bougent dans ton corps, qui bougent dans ta vie, qui bougent dans ta tête, qui bougent dans la vie de tes enfants. Toutes choses négatives. N'importe où qu'ils sont. Tu es en train de bouger dans ton pied, dans ton pied. C'est Jésus. Jésus-Christ. Flèche. Flèche de délivrance. Flèche de délivrance. Flèche de délivrance. Flèche de délivrance. Alors, on délivre encore. Go! Go! Anything, they are fire into your brain, fire to your head, fire to your body, anything that's moving, spiritually and physically, let the fire of God, let the arrow of fire, arrow of deliverance of God, arrow of deliverance of God, go, 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 face, destroy those things, eliminate those things, let God strike those things by fire, arrow of deliverance of God, strike it, set us free, Lord Jesus, enemy of your glory, enemy of your destiny. Enemy of your finances, power that have pronounced that you will be poor. That power that stop your parents, that stop us, stop your joy. Let the flesh of God, let the arrow of God smash death down to death from anywhere they are operating from. In the water, in the sea, in the heavens, in the high places, on the four corners of the earth, the four corners of the earth, all the angles, wherever they are operating. Let the arrow of God, arrow of deliverance of Jesus Christ of Nazareth, smash them. Jesus Christ of Nazareth. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit of God. Yes, Lord Jesus. Yes, Lord Jesus. Yes, Lord Jesus. Yes, Lord Jesus. God have an arrow. God have arrow of deliverance. You have arrow of deliverance. Whatever God have, devil also have it. Devil tried to make imitation. He tried to make imitation. But God is the one that have original. God have the original. God have the original. God has the original arrow of deliverance of God. He destroys the wicked arrow of the enemy. Every arrow they have fired against you, let the arrow of deliverance of God go and crush it and destroy it in the name of Jesus Christ. Crush it in the name of Jesus Christ. Satan only get fake one. He only make fake one to attack the children of God. Satan infest le mort le faux flesh. Pour attaquer les enfants de Dieu. N'importe quelle flèche sont tuées contre ta vie. Que le flèche de délivrance de Dieu localise cette flèche. Et proche et détruit cette flèche. Brise cette flèche en pièces séparables. Au nom de Jésus-Christ. 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 Thank you, Jesus Christ of Nazareth. Merci, Seigneur Jésus-Christ. N'importe quel livre. Livre générationnel, ils sont mis ton nom. Tout livre générationnel, livre satanique, livre des occultes, tout endroit que ton nom se trouvait, que les flèches de délivrance de Dieu localisent cette livre. Déchire cette livre, brûlez cette livre au nom de Jésus. Every book, generational book of darkness, generational book of devil, Lucifer, where your name is found, they are needed to fight you and to attack you. Let the arrow, the deliverance arrow of God, go! Look at that book. Tear that book into pieces and destroy that book in the name of Jesus Christ. Thank you, Jesus. Let the arrow of deliverance of God. Go and fight your battle. Fight our battle. Deliver us. Fight every satanic soldier, every demonic soldier, every witchcraft police. They are using to look for any one of us. Let the arrow of deliverance of God. Go! Smash them to death in the name of Jesus Christ. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. N'importe quel flesh, ils sont en train de l'utiliser pour t'attaquer. Quelle flèche de Dieu! Père! Détruis-les au nom de Jésus Christ. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur Jésus Christ. Merci, Seigneur Jésus Christ. Merci, Seigneur Jésus Christ. Merci, notre Dieu. Merci, notre Dieu. Que ton nom soit glorifié. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Au nom puissant de Jésus à vos prières. Maintenant, comment se déclare ça que tu veux que Dieu fait dans ta vie? Réclame, déclare. La prospérité, la bénédiction, la joie de Dieu, la promotion de Dieu. Commence à demander. Begin to call upon the Lord. Blessing, abundance, every good thing you want the Lord to give you. Everything you are in need of. Prosperity, promotion, elevation.
Anywhere you are rejected, they shall call you. In job, in everything, whatever. God shall locate you. Favor, 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 favor. La faveur de Dieu, la faveur. Demandez-lui. Tout ça que tu fais, demandez le Seigneur. Demandez le Seigneur. Tout ça que tu as besoin, demandez le Dieu, demandez Dieu. Cette vision, cette rêve, reçois, reçois ta bénédiction maintenant. Reçois ta victoire, reçois ta victoire. That dream, that vision dream, that vision that you saw, receive, receive, receive your breakthrough. Receive it in the name of justice. Receive it, receive it, receive it. Receive it, receive it. In the name of justice. Receive, receive, receive your deliverance by the power of Holy Ghost. Receive your deliverance, receive it. Papa, je prie. À partir de ce que le fait de Dieu, à partir de vos cheveux, tout en toi, amène de votre dos. Papa, que la main de Dieu touche tout ce qui ne vient pas de Dieu dans votre vie. Toute maladie, tout ça qui sont programmés. À travers de cette vision, cette révélation de déclare la délivrance totale de Jésus. Que tout ça que Satan a amené dans votre dos, et tout sorti au nom de Jésus. Les flèches de délivrance de Dieu, là dans votre dos. Dieu chérie, nous flèches de Dieu. Merci notre Père, merci Dieu, merci Papa, merci Seigneur, merci notre Père, merci Dieu, merci Lord Jesus, à toi la gloire, à toi la grâce, à la gloire, 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 à Cette alliance de colère, 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 cette alliance de colère
Faveur pour te connaître. Lord Jesus, thank you. Fight for me. All the prayer requests here, I pray, tous les cas de prière ici, que le flèche de délivrance de Dieu va et combat pour tous ces cas de prière sous cet hôtel. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Dieu, merci Seigneur. Que le flèche de délivrance de Dieu va combat pour tous les enfants dans cette église. Combat pour tous les enfants dans cette église. Change leur vie. Transforme leur vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que le flèche de Dieu va combat pour tout. Faire flèche de délivrance de Dieu. Combat pour les bébés dans le ventre. Et donne-les la victoire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que le flèche de délivrance de Dieu localise tous ceux qui sont stérilités. Everyone that barren. All the barren women. You are married, you are not, you don't have child, become problem. Let the arrow of deliverance of God go and fight every power that will keep you in that barrenness and set you free from today by the power of Holy Ghost. As we are in the month of grace, grace shall locate you. Favor of God shall locate us and it shall accompany us by the power of the Holy Spirit of God. In the name of Jesus Christ. Merci Dieu, merci Seigneur Jésus Christ. Oh no, puissant de Jésus à votre prière. Oh no, puissant de Jésus à votre prière. Oh no, puissant de Jésus à votre prière. Remercie Dieu, remercie Dieu.